L'obscurité est totale. L'atmosphère est lourde. L'humidité ambiante est teinte d'une forte odeur de sang. La tristesse, la douleur hantent les lieux. Des gémissements, puis des cris, viennent aléatoirement ajouter un voile de terreur sur cet endroit. Soudain, plus rien. Un silence. Froid, pesant, dur, dur, et dur encore de longues minutes. Que s'est-il passé? Qui sont-ils? Pourquoi? Pour le découvrir, nous allons revenir quelque temps en arrière. Cette histoire commence donc le mardi 14 mars 2018. La nuit vient à peine de commencer, le soleil, si dangereux pour ces créatures du monde des ténèbres, est couché depuis un instant. Bâton rouge, en Louisiane, sera le décor de cette histoire. La Camarilla règne en majorité sur ce domaine. Les territoires les plus influents lui sont acquis. En effet, qui possède le centre-ville d'un domaine aura toujours un certain avantage. Mais le mouvement anarque, indépendant depuis de nombreuses décennies, veille à lui mettre les bâtons dans les roues, ce qui contrarie grandement leur plan. Ces derniers ont mis en place deux baronnies, une Rora, qui gère les territoires plus urbains, et une seconde, Gangrel, qui s'occupe des bayous, et sont, comme qui dirait, les veilleurs de cette entièreté de territoire. Cette guerre fort politique et obscure permet malgré tout certains arrangements, et certains coups dans le dos et nombreuses trahisons. Ces kindred, damnés, descendants, ne peuvent pas vraiment identifier quelle secte est l'un ou l'autre. Une jeune coterie est à l'œuvre, mais elle est encore vierge de toute histoire. Voici donc l'acte 1, et bienvenue dans Vampire, la Mascarade, Bâton Rouge by Night. Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, peut commencer par me faire son jet de fin, puisque la nuit commence. Comment ça se passe? Alors vous lancez, donc, je t'ai rappelé en même temps, vous lancez donc un D10, un seul. Si vous faites au-dessus de 6, votre faim ne grandit pas, vous n'êtes pas plus affamé. Si vous êtes en dessous, par contre, ça craint un peu. Alors, petite question, est-ce que on commence de base à un point de soif? Oui, tout le monde est déjà à un point de soif, ça j'ai oublié de le dire aussi. Ouais. Donc je suis à 2. Ah. Donc. À un point de soif? Josh. Je reste à 1. Moi j'ai fait 8, donc si j'ai bien compris, je reste à 1 aussi, c'est ça? 1. Et Morgan. 1. J'allais dire bien, bon, pas pour Josh. Bon. C'est pas grave. Dans Roll20, il y a un endroit, c'est fin, c'est ça? Je t'avoue, comme j'avais dit, elle est assez mal foutue cette fiche, donc je te laisse regarder parce que je peux pas trop regarder de mon côté. Ah, il y a faim, on va considérer ça. Mais tu sais quoi, t'as une feuille de papier tout à l'heure, t'as dit, donc au pire, tu mets un des soifs et puis c'est ok quoi. T'inquiète pas. Ça peut être que ça, je pense. Donc on va poursuivre. Hein, donc cette. Voilà, on voit donc Bâton Rouge et cette ville, ce domaine. Où votre cher Nils Holmes, votre Mola, votre guide, votre représentant, je sais pas trop comment vous le considérez, il vous laisse en général un ou deux jours par semaine un peu tranquille. On peut, si on peut appeler ça, un sort de deux jours de repos lorsque vous êtes humain. Où vous pouvez vaquer chacun à vos occupations. Et ça tombe bien puisque ce jour de repos, disons, c'était lundi, c'était hier. Donc chacun votre tour, dans l'ordre qui vous plaira de ceux qui voudront prendre la parole, vous allez donc décrire votre personnage et ce que vous voudriez en dire, et puis me dire ce que vous avez fait, nous dire ce que vous avez fait la veille.
Donc soit on soit l'overlay et Pidgey tu commences, ou soit vous faites comme vous le sentez. C'est comme vous voulez. Je la veille, la nuit du coup. La nuit dernière. Moi j'aurais tendance à dire honneur aux dames. D'accord. Et si ben, et ben là, je t'en prie. L'INSEE, la doc, qui me touche ? Alors, l'INSEE, en début de nuit, s'est éveillée, comme à chaque coucher du soleil, là où elle réside, c'est-à-dire dans un domaine qui est géré par des femmes et par sa sire, donc celle qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une créature des ténèbres, et qui s'appelle Siario. Et bien dans ce domaine où vivent un certain nombre de femmes, et bien elles participent la nuit à des espèces de rituels, de prières païennes, de choses comme ça. Et c'est par cette activité qu'elle a commencé cette nuit du lundi. Et ça lui apporte du réconfort, c'est un ancrage qu'elle aime avec, voilà, avec d'autres personnes. Il y a des humains, il y a des vampires, et tout ça reste relativement dans un équilibre qui confère à l'ensemble une certaine harmonie. Et après, tandis que les humaines se retirent pour dormir, l'INSEE, elle a écrit. Donc, elle a un petit ordinateur portable sur lequel elle rédige des articles, puisque avant, lorsqu'elle était humaine, c'était une anthropologue qui étudiait divers peuples et leur rapport au sacré, leur rapport avec la foi et tout ce qui pouvait... avoir trait à l'inexplicable, et donc elle écrit, et donc elle a passé une partie de la nuit à écrire et à envoyer des articles pour des journaux, alors certains petits journaux locaux de Bâton Rouge ou d'autres dans le pays. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait un sujet précis dans ces articles, ou c'était un peu comme d'habitude, juste des observations, des choses et d'autres? C'était peut-être une commande pour un journal qui fait paraître des récits d'aventure, des récits de voyage, dans lequel elle a écrit des choses sur le bayou, puisqu'elle aime bien aller s'y promener, et donc elle fait état de certaines observations. Elle aime décrire et partager l'ambiance assez particulière de cet endroit vraiment particulier, original. D'accord. Voilà. Eh bien, merci à toi. Au prochain, c'est messieurs qui voudra se lancer. Vas-y, Pidgey, à toi. Merci. Donc, Morgan Rinker, un homme d'une quarantaine d'années, un peu plus. Il a un style vestimentaire habillé, mais assez sobre. Enfin, voilà, petit gilet par-dessus, chemise un peu ouverte. En ce qui concerne son métier, avant de devenir... d'années, je crois qu'on peut dire comme ça. Il n'y a plus d'appellation, mais tu peux choisir celle-ci. Ouais, mais comme je découvre un peu l'univers, moi. Mm-hmm. Il était psychiatre, donc. Il était psychiatre, spécialisé récemment, enfin récemment, dernièrement, dans les cas graves. Et il officiait au Bâton Rouge Behavior Hospital. Donc. Et la nuit dernière... s'est réveillé dans sa chambre bureau, on peut dire, dans une cave en fait. Il fait partie de sa maison familiale où il vit avec sa femme. Une cave qui a été aménagée en chambre bureau. Et donc il est sorti. Qu'a pu faire?
Il a été récolté du sang. Mmh. Et récolté du sang en tant que auprès de donateur de sang, dirons-nous. Seul ou accompagné? Non, seul. Et du sang, donc, une fois récolté, il a été ramené à... C'est le même hôpital. Il a été rapporté donc là où il travaillait à l'époque, au Bâton Rouge Behavior Hospital, qu'il a été rapporté à Tyler Lane. Il y a un interne de première année qui travaille donc au même hôpital, et qui est le contact de Morgan pour récolter le sang, pour faire tout ce qui est des faux papiers ensuite, pour... Enfin, des faux papiers. Oui, c'est ton contact humain qui arrange les choses pour... ta petite activité. Ouais, qui permet de rendre ça transparent, enfin, non, justement. Voilà. De faire passer la chose comme il faut. Voilà. Donc, évidemment, hein, évidemment. Comme les deux jeux du jour ont certainement découvert, c'est un secret. Il fait ça un peu sur le côté, dans l'ombre. Et peut-être justement profiter de ces jours-là de repos, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le faire. Bien, et ben au dernier, et pas des moindres, vu sa petite tête badass quand même, hein, vous voyez sur la photo. Ouais, alors Josh Callaghan, c'est un gars qui doit mesurer pas loin d'un mètre 90 et qui fait ses bons 100 kilos. Jean, des espèces de Ranjo, il a une veste en cuir sur laquelle il n'y a pas encore les badges qui vont bien, puisqu'il est encore prospect pour un... pour un, comment dire, un groupe de bikers du clan Gangrel, on va appeler les choses par leur nom. Et donc voilà, pour l'instant il n'a pas de moto parce qu'il n'a pas le droit en tant que prospect. Et bah, quand il s'est réveillé, il avait deux trois trucs à faire. Première chose, comme il fait de temps en temps quand il a le temps. Quand le MC lui demande pas tout un tas de services, il est monté dans son pick-up, direction les quartiers bien pourris de Bâton Rouge. Là, il a chassé pendant deux petites heures à la recherche d'un petit branleur, une petite racaille sur qui il s'est nourri de façon pas très un petit peu violente, on va dire. Voilà, il lui est tombé dessus, il a savaté deux trois fois, il s'est nourri dessus, puis il l'a abandonné au milieu du trottoir, enfin derrière un conteneur à poubelle, et basta, voilà, une fois qu'il s'est nourri dessus. Et ensuite, il a téléphoné à quelqu'un qu'il connaît depuis quelques temps, et une certaine... il a passé deux coups de téléphone. D'abord, il a appelé Lily Rodriguez, qui est une nana, une grande brune avec des cheveux longs, des tatouages un peu partout, et qui fait le magnifique métier de... En fait, elle tient une boutique de... Elle est armurière, elle tient une boutique d'armes, le Pussy and Guns. Et du coup, en fait, le Josh y avait laissé son 9 mm qui avait un petit problème. Donc, il lui a laissé le temps qu'elle y jette un petit coup d'œil. Donc il a appelé d'abord Lily pour savoir s'il pouvait passer récupérer son flingue. Et dans la foulée, il a aussi envoyé un autre message à Sassir. Donc Goldie, une petite blondinette qui fait partie du MC aussi. Et en fait, dans ce deuxième message, enfin dans ce message-là, il lui a demandé si elle était dispo, s'il était libre. Pour se rejoindre quelque part tranquille. Et donc voilà, je pense que Josh, il est passé d'abord voir Lily, vérifier un peu, voir, elle a dû lui montrer ses nouveaux arrivages de fusils à pompe ou de trucs comme ça. Il a récupéré son flingue et ensuite il est allé voir, il est allé à son deuxième rendez-vous, voir un peu, voir Sassir, Goldie. Et bah là, je te demanderais bien, Henri, est-ce qu'elle était dispo ou pas? Et je te dirai ce qui s'est passé après, selon ta réponse.
Elle était dispo, je pense. Ouais. Alors du coup, on s'est fixé un rendez-vous dans un coin tranquille, peut-être un endroit où on a l'habitude de se rejoindre. Et bah, je pense que voilà, on n'était pas là pour on n'était pas là pour discuter ou pour enfiler des perles. Mmh. Alors, il y a eu rapport charnel. c'est ça. On en a profité. On sait qu'on n'a pas longtemps parce que. Bah, c'est un peu un truc. On fait ça un peu en douce. Personne n'est au courant. Et donc voilà, on s'est bien amusé, même si bah, voilà, il a fallu aller un petit peu vite. C'était pour le coup, ça c'était un peu chiant, mais bon, voilà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. De temps en temps, on réussit à voler quelques moments comme ça. Et je pense qu'une fois que ça s'était fait, on a certainement dû discuter un petit peu et tout. Est-ce que, petite question, ouais. Est-ce que ça fait longtemps que tu l'avais pas vu ? Comme ça, tout seul ? Bah en fait, moi je te dirais bien, ça fait les rares moments où je peux faire un peu ce que je veux. Voilà, j'essaye de l'avoir à ce moment-là, parce que sinon c'est toujours des moments un peu volés où... où c'est juste des regards qui sont échangés de temps en temps... De temps en temps, quand on est sûr que personne nous voit, c'est juste un baiser volé, mais rapidement. Et voilà, donc c'est... Ouais, on en profite. Et là, je pense que ouais, ça faisait peut-être... C'est peut-être pour ça aussi que ça a été un peu plus chaud que... Voilà, on est rentré dans le vif du sujet très vite. C'est que ça faisait probablement pas loin d'une semaine qu'on s'était pas... C'est justement ce que j'allais dire. On avait peu de contact. Votre dernier jour de repos, c'était mercredi de la semaine dernière. Donc ça fait presque une semaine. Ok. Et du coup, ouais, voilà. Comme notre relation, c'est pas juste du cul pour du cul. Ça va au-delà. Il y a vraiment quelque chose entre nous. Alors ensuite, oui, on a discuté un peu comme n'importe quel couple ferait à discuter au lit et tout ça. Mais bon, ça va. en fait, c'est surtout. Je pense qu'elle, sa charge au sein du MC a dû la rattraper assez rapidement et du coup, on a dû se séparer. Trop tôt à mon goût. Et puis je pense qu'ensuite je suis rentré, je suis peut-être rentré chez moi, ouais, rentré chez moi. Et puis je me suis collé dans le canapé devant un film ou un truc, histoire de, voilà, j'avais rien d'autre à faire, je voulais en profiter que plutôt que de faire comme d'habitude avec pour le MC où je suis toujours sur les routes avec le pick-up ou escorter des trucs, voilà, je profite pour souffler dans ces quelques moments-là. Donc voilà, je pense que ma journée, ma nuit a été, c'est terminé comme ça, où j'ai fini par aller me pieuter aller me coucher en fin de nuit tranquillement après. D'accord. Après ce bon moment passé. Oui, c'est vrai que, petite précision là-dessus, c'est que oui, Goldie, comme tu le sais, sûrement, on en a parlé avec elle. Le numéro 2 du MC, ouais, il est un peu moins en odeur de sainteté en ce moment, donc elle a plus de responsabilités étant numéro 3. Mmh. Petite question pour aussi Aurélien avant qu'on continue. Est-ce qu'il y a des nouvelles humaines qui sont arrivées cette nuit, la dernière nuit ou pas ? Non, je pense pas. D'accord. Et Morgane, aussi une petite question. Est-ce que tu as un client en ce moment pour tes consultations ? Ou c'est plutôt calme ? Toi de me dire, pareil, si tu... Ouais, je dirais assez calme. D'accord. Et il y a une chose commune dans vos nuits respective, c'est qu'en effet vous avez pu faire un peu ce que vous voulez parce que la Camaria ou même certains kétifs, même si on en voit peu, sont plutôt calmes en ce moment. On rapporte pas trop d'histoires. Ce qui est, selon Nils, votre Mola, votre guide, c'est un peu bizarre. Lui qui est beaucoup, justement, il traîne dans la nuit, même dans des endroits où il n'y a que des humains ou pratiquement que, il traîne ses oreilles, il parle avec des gens et tout ça. Il n'y a pas trop d'histoires qui se racontent et tout. Et lui, ça l'inquiète justement, il trouve ce silence dangereux même.
Bien. Okay. Comme je disais, donc tous les trois, vous vous réveillez petit à petit à vos endroits habituels. Et vous savez hein, que vous avez rendez-vous donc ce fameux Marjorie Café, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que je vous demandais, bah, c'est pareil, c'est juste, est-ce que vous faites quelque chose de précis avant d'y aller? De quelle façon vous y allez? Est-ce que l'un va chercher l'autre? Je sais pas. Je sens que je vais vous passer. Attendez, sans cliquer sur la petite map que je vous ai faite. On a rendez-vous combien de temps après le début de la nuit? C'est assez rapide, hein, c'est vraiment, vous mettez, je sais pas, c'est comme le matin, tu prends ton café avant d'aller au boulot, enfin je sais pas, tu mets une demi-heure, une heure, peut-être, un peu, ça dépend ce que tu fais, là, tout ça, puis vous y allez directement, en général, à ce fameux café, c'est ce que vous a dit, enfin ce fameux café, c'est un bar-restaurant, c'est ce que vous a dit Nils, quand vous, tous les soirs, il faut venir là, quoi, parce que c'est là que lui, soit il y est, soit vous avez des infos, soit, voilà. Je demande ça par rapport à si j'ai le temps de passer un moment avec ma femme. Tu peux. Enfin, j'ai pas précisé, mais la femme de Morgan est humaine. Elle est pas au courant que Morgan est. Pour l'instant. Masca n'a pas été brisée. Donc le moment. Enfin, les seuls moments où ils peuvent réellement se. Passer du temps ensemble, c'est. Quand elle rentre du boulot et que... Elle travaille dans l'humanitaire, je précise. Quand elle rentre du boulot, entre guillemets, et que... Lui se réveille quand le soleil s'est couché. Et puis éventuellement aussi quand elle se réveille et que lui rentre... Enfin, rentre. Avant le lever du soleil, tout simplement. Mais l'idéal, c'est plus en fin de journée, en début de soirée. Bah écoute, ça va faire rien avec ce que tu me demandes là. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, que... le soleil se lève vers 6h. 6h15 à ce moment-là de l'année à Bâton Rouge et il se couche à 18h15 pour eux pareil. Donc vous avez quand même des assez bonnes nuits. Donc ça veut dire qu'il est autour de 18h15-30. Si tu veux passer du temps avec un peu de temps avec ta femme, c'est faisable. Puisqu'elle elle prépare son dîner. Et le tien que peut-être justement tu manges pas évidemment mais que tu dois évacuer d'une manière ou d'une autre lorsqu'elle t'apporte. Elle te met l'assiette sur une petite dessert peut-être devant la porte où est ton refuge, tu lui as dit que de pas te déranger, etc. comme tu m'as expliqué. Je précise que je peux manger. Hein. Toi tu peux manger, je dis une bêtise, donc certainement qu'elle t'apporte à toc, et si tu réponds pas, peut-être que tu lui as dit que c'est pose-la là, enfin voilà, ouais. T'as fait en sorte évidemment qu'elle débarque pas en pleine nuit lorsque tu es un cadavre sur ton lit. Ouais mais je pense que j'ai... Une sorte de verrou à la porte, en fait, oui, bien de sûr, mon bureau. Oui, bien sûr. Bien, bah tu... Il faut que je précise pourquoi je peux manger, parce que c'est pas le cas de tous les vampires. Non, on fera pas trop de métal là sur le coup, mais tu peux manger, on verra plus tard. Bien, bah oui, tu veux passer un peu de temps avec ta femme, c'est faisable. Enfin, tu restes, comme je dis, max une heure, hein, tu le sais, sinon tu risques de te faire disputer, de toute façon, soit par Josh, soit par Nils, si t'es en retard, c'est sûr. Je sais pas si je peux en profiter pour me nourrir pour de vrai. Fais-moi un petit jet d'empathie, plus un premier jet, tu vas l'inaugurer. Comment ça se passe? Alors, d'abord, je te dis ce que c'est charisme plus empathie. Donc tu additionnes tous tes dés. Ça te fait combien que ça te fait en tout? Tu jettes le tout en mettant, remplaçant un de ces dés par ton dé de soif. Et tous les résultats qui font dessus de 6, tu me dis combien t'en as. Ça te fait les réussites. Donc ça fait 6 en tout, mais il y en a un des 6 que je remplace par un dé de soif. C'est ça. Ouais. Tu jettes le tout, tout ce qui est au-dessus de 6 est une réussite. C'est pas bien placé ce truc-là. Alors j'ai fait... Au-dessus de 6, bah il y en a aucun qui est au-dessus de 6. Malheureusement, c'est un échec. Tu... Détoif, on s'en fout de ce qui... Non, là, 1, ça va, tant que c'est pas... Ah si, il y en a un que j'avais pas vu, il y en a un qui est au-dessus de 6, pardon. Tant que c'est pas un 10, on c'est pas très grave. Il y a un dé au-dessus de 6. Eh ben, tu... Une réussite, tu... Oui, tu vas l'amadouer, t'approcher d'elle, etc. Et elle est plutôt enclin à ce que vous passez à l'acte et que tu puisses donc te nourrir. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer là ou pas? On le fera plus tard, pourquoi tu fais ça, tout ça, petit à petit, on va pas tout révéler. En tout cas voilà, tu vas passer un bon moment avec ta femme,
avant Kel'Din. De votre côté, est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant d'aller au Marjorie Café? Je rappelle, vous venez de vous réveiller il y a un quart d'heure, une demi-heure. Moi, je prends mes affaires pour toujours avoir de quoi noter. J'ai toujours un livre ou deux avec moi dans un espèce de sac à dos en cuir archi usé. Je vais saluer les différentes personnes qui sont sur le domaine et après avoir salué ma sire, je quitte le domaine en direction du café, du lieu de rendez-vous. Et donc, tu as dit qu'on allait retrouver Nils Holmes. C'est ça. Alors, je vous fais. Vous êtes bientôt sur Roll20. Je vais vous pinguer sur la map certaines choses. Donc, Josh, tu habites dans ce quartier-là. J'ai plus le nom, mais je vais te le rechercher. C'est un petit quartier. Au sud. Ouais, un petit quartier d'habitation. Un peu. C'est pas riche, pas pauvre, quoi, j'ai plus le terme. Classe moyenne, voilà. Ouais. Normal, classique, tu vois. Il y a un petit garage pour mettre ta voiture, tout ça. Lindsay, toi, tu habites dans le Bayou Sud, chez donc ta cire, donc qui est au milieu de cette grosse zone verte et marécageuse. Et toi, mon cher Morgan, tu habites un peu plus haut, le quartier un peu plus haut, un peu plus central, donc c'est par ici. Toi, c'est plutôt un quartier, oui, un peu plus au-dessus, quoi. Les maisons sont plus belles, les plus grandes, tu vois, c'est un quartier un peu plus aisé. Ouais, okay. Avec l'école pas loin, tout ça, c'est un bon quartier. Et vous allez donc, juste ici, à côté, donc c'est cette université, il y a le fameux Marjorie Café, qui est vraiment à 2-3 rues à côté, quoi, de l'université. Voilà pour les petits emplacements. Donc, un petit point, trouver une carte de bâton rouge, hyper dur. Comme j'avais fait pour la V20 avec les quartiers et tout, c'était une carte parfaite ça, pour la V20 avec Chicago. Là, c'était hyper dur. Je dis, bon, allez, tant pis, Google Maps, putain. Et puis, ça fait le job. Ouais. Ah, oui. J'ai la petite map là, voilà, que je vous grossis 2 secondes, que j'ai trouvé, voilà, où il y a des petits détails, mais voilà, je l'afficherai si on a besoin. Quoi. Voilà, bon. Ok. Question que j'ai posée dans Roll20, est-ce que je retire mon point de soif du coup? Non, tu ça bouge pas. Les points de soif vont s'en aller quand vous allez vous nourrir. Ah, bah oui, je suis bête. Alors, non, enlever un point de soif totalement veut dire que tu dois vider son sang de la personne et ce qu'on appelle le dernier pouls. Genre vraiment, le limite, tu vas la tuer quoi. Ah bon? Tu ne peux pas boire entièrement de personne. Enfin, ouais. Tu peux pas. Tu peux le faire, mais la personne sera morte. Ok. J'imagine que tu vas pas le faire. Non, mais là, du coup, je savais pas. Je me demande comment on peut, du coup, retirer les... Comment on peut se nourrir, en fait. Si, c'est quand t'es à plus de... Quand t'as plus soif. Parce que là, t'étais à 1 de soif, c'est ça? Ouais. Ton dernier point de soif, tu ne peux jamais l'étancher, voilà. Sauf si tu tues ta victime entière. Voilà. Juste le dernier point de soif. Ouais. Juste le dernier point de soif. D'accord. Tu ne peux jamais être complètement rassasié. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ça. Merci. En termes de mécanique, c'est un point de soif, c'est gérable. C'est je comprenais pas. Ouais. Du coup, je pensais que tous les points c'était pareil et que du coup. Ah non, c'est vrai. À partir de 2, ta bête, ouais, bah, c'est magnifique, c'est un petit peu. À partir de 3, tu vas avoir très faim. À partir de 4, ça va être encore plus dur. Et 5, tu es un animal assoiffé de sang. Et du coup, à ce moment-là, on peut réduire jusqu'à 1 sans tuer les personnes sur qui on se nourrit. Ok. Et en effet, Raquel sur le chat, j'aurais peut-être dû mettre des points sur la carte. J'ai oublié aussi. Note pour la prochaine fois. Voilà, je le ferai. Juste avant de quitter le domaine, j'ai laissé donc en fait, je pense qu'on est dans un espèce de dortoir un peu collectif. Et donc, je laisse toujours mon téléphone portable avant d'aller voir Nils parce que. Voilà. J'ai pas comme je sais que. Moi, je vais le laisser dans la boîte à gants de ma voiture. Voilà. Et en fait, non, l'INSEE, finalement, non, t'es dans une petite chambre. Ah bon? Parce d'accord. Que tu es l'enfant de ta sire. Ça marche. Les autres humaines dorment à côté, en effet, dans un sorte de petit dortoir, mais toi, tu as une petite chambre, pas très grande, hein, c'est pas non plus palace, mais tu es seul.
Ok, bah donc j'y laisse mon téléphone portable. Et alors après, je ne sais pas en termes de distance, est-ce que je peux C'est ce que je me... disais, comment vous y allez? Est-ce que vous avez pris l'habitude Ouais, que je sais voilà. pas, Josh il vient t'attendre à l'entrée du bayou, est-ce que vous y allez ensemble tous ensemble? Est-ce que comment vous organisez? T'as pas de voiture, toi? Moi, je n'ai pas de voiture. Alors je peux avoir un vélo, mais je ne sais pas si la distance est faisable ou pas. Les routes sont un peu compliquées dans le bayou à vélo. C'est un peu Ok. boueux, tout ça, c'est assez cool. Vous êtes, malgré que vous soyez des créatures de la nuit, Ouais. c'est un peu chiant quand même. D'accord. Bah peut-être que effectivement je sors du bayou à pied et, soit je fais du stop, soit effectivement quand ils viennent me récupérer. Faire du stop, tu sais pas quand tu vas arriver. Je viens de chercher. Il y a peut-être un endroit, une espèce de point de. Il y a peut-être une zone, un truc un peu touristique. Et ben voilà, rendez-vous à cet endroit-là, Ouais, puis en je effet, vais il y a une récupérer. sorte de. Les humains ont installé une sorte de promenade à l'entrée du bayou, où les gens font un peu le tour comme ça. C'est une sorte de ponton en bois, en fait, comme sur l'eau, quoi. Mais c'est un chemin de bois comme ça qui traverse. Donc, ouais, tu peux attendre Josh là, qui vient te chercher toutes les nuits. Ok. Avec son gros pick-up de luxe, j'ai envie de dire. C'est un beau modèle. Ah bah oui, ça c'est le. J'ai pu me le payer grâce à toutes mes. À mon ancien job quand j'étais chasseur de primes jusqu'à l'année dernière, où ça fonctionnait plutôt pas mal. Et donc avec toutes les primes, j'ai pu me. Ouais, je me suis payé un bon gros pick-up, un bon gros GMC noir avec un bon gros pare-buffle devant. Et non, je n'ai rien. On a dû avoir cette conversation, je n'ai rien à compenser, d'accord? Hein, C'est ce qu'il dit. C'est Et ce je qu'il pense, en dit. fait, ce soir, juste avant d'arriver, d'aller la chercher, moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais que Lily s'occupe des flingues comme personne, il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, c'est mon truc, j'ai quand même démonté mon flingue quand je me suis réveillé, je l'ai nettoyé, je l'ai remonté comme moi, voilà, c'est tout. C'est le truc. Voilà la voiture de Josh. Voilà. C'est du Et beau donc, pick-up, hein. le. C'est pas le pick-up des bouseux de du Texas ou enfin non, c'est du. Et je pense Du qu'à redneck. l'arrière, à l'arrière, il y a toujours aussi dans l'habitacle, il y a toujours les endroits où j'avais fait monter des crochets pour pouvoir, quand j'allais choper un prisonnier, un fugitif comme ça, bah, en fait, je le menotais dans la bagnole, hein, Ah, ça peut et servir. je les ai laissés, oui. Et donc, moi, après avoir démonté mon flingue, remonté, je prends le pick-up, je viens de chercher à l'endroit, à notre point de rendez-vous. Donc tu me trouves bah, comme toujours habillée avec des vêtements pratiques et d'un inintérêt esthétique total, un livre à la main et cet air de toujours réfléchir à quelque chose. Et bah, quand je me gare à côté de toi, j'attends pas, je me suis à peine garé que je klaxonne un bon coup pour. Je te fais signe de monter en voiture, quoi. Bah, avant que tu montes, vous entendez un moteur de Harley, une moto derrière vous, juste qui passe à côté de vous, il regarde la voiture, il s'arrête 2 secondes. Le gars qui était dedans, il fait juste un petit signe de tête et il continue. Et c'était. C'était quelqu'un que je connais ou de Fais-moi mon. un petit astuce empathie pour voir si tu connais la personne, parce qu'il a ses lunettes de soleil, son casque. Est-ce que tu as reconnu quelqu'un ou est-ce que... Ouais, ah oui, c'est vrai, j'ai Il deux a un espoirs. gilet de motard ou pas? Il a un cuir, ouais. Et du coup, Alors. Le dé de soif, en fait, c'est juste qu'il annule un dé. C'est pas qu'il annule, c'est que en fonction de certaines choses sur le dé là, ça peut attirer justement des trucs derrière en fait. Alors, j'ai deux réussites. Ça suffit amplement, hein, c'est juste pour reconnaître quelqu'un. Oui, t'as déjà vu, tout simplement parce que c'est un membre de ton MC D'accord. qui t'a un peu regardé mauvais parce que je rappelle, t'es un prospect, tu te balades tout seul. Bon, il y en a qui aiment peut-être pas trop ça. Pour certains, t'es peut-être censé déjà être au boulot au clubhouse. Vous avez dit au début ce que c'était, MC? C'est, pardon, oui, c'est le Motorcycle Club, donc c'est tout simplement comme Club ça de qu'on appelle moto. le club de moto. Ouais.
Et bon, c'est juste indicatif, je te mets juste la tronche de la personne que c'était. C'était l'autre prospect, tout simplement, sur une moto. Donc c'est pour ça que je le signale. L'autre prospect, c'est ça. C'est la jeune. La petite latino, la Rizza. C'est ça. Qui, la Rizza Mendes. Voilà, qui a débarqué. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'elle est vite partie. Quoi. Elle s'est arrêtée, elle a regardé qui c'était, elle est partie tout de suite. Elle était donc sur une moto. Elle est sur une moto, ok, c'est bon à savoir. Et ouais, vraiment, c'est vraiment moi du style où elle a vu que c'était toi, tu sais, genre, boum, elle est vite repartie en faisant un peu gicler la boue. Bah, du coup, moi je monte dans la voiture et puis je le regarde et je lui dis bon, bah alors, t'as klaxonné, t'étais pressé, on y va ou pas? Ouais, mais là, j'étais en train de regarder Larissa partir et en fait, à partir du moment où nos regards se sont croisés et que j'ai reconnu qui c'était, je lui ai bien fait signe que je l'avais vu. Voilà, je mets juste à quoi elle ressemble aussi. Elle est partie, ouais, assez. T'as vu son regard hein, qui a changé avec les lunettes, la masque de moto claire, ça, pas teintée. T'as reconnu, t'as vu le regard, ouais, t'as reconnu. Et ouf, c'est parti en trompe derrière. Elle a peut-être fait gicler un peu de boue sur ta voiture. Hein. Ouais, c'est pas grave. Nos relations. Les relations que j'ai avec elle, c'est. Voilà, c'est juste on est prospect, on est dans la même merde ou il y a autre chose? Tu me diras ce que t'en penses. Elle faillote pas mal, elle est très gentille avec tout le monde, dans toutes circonstances, tout va bien, elle sourit tout le temps, tout est ok. Même quand vous faites de la merde, même quand vous nettoyez les motos parce qu'il y a de la boue dessus, tu vois, des trucs comme ça, elle est tout le temps contente. Ouais, d'accord. Mais Donc je te laisse. Après, je me méfie. Enfin, je me méfie. Est-ce que c'est vraiment du sincère ou pas? Parce que vu que son sire, qui est censé être le numéro 2, en ce moment, il fait de la merde et ça plaît pas au président. Je pense que il y a peut-être et que moi, finalement, je suis comme Goldie, c'est l'infante du président du club, tout ça. Il y a peut-être un truc, il y a peut-être une petite guéguerre de pouvoir, machin, et voilà, je me méfie un peu. Mais là, vu que je pense que je vais pouvoir lui rabaisser son caca, il faudra qu'on ait une petite discussion un peu plus tard. Bah, elle a l'air, en façon générale, oui, plutôt pas sincère, oui, parce que c'est juste chiant, peut-être que à force, elle est tout le temps contente et souriante, à force, peut-être sur le système, tape ça sur le système. Peut-être c'est utile, comme je dis, vous nettoyez les motos, puis peut-être qu'elle va fredonner un truc, toi en étant de la boue. Toi, tu vas être là, ça te fait chier, mais elle est là, elle est contente, elle est. Elle en joue. Ouais, elle... mais ouais. Mais bon, ouais. Vu que son sire, il est un peu dans une mauvaise passe. Je me méfie. Et puis là, j'aime pas le fait que elle se promène en moto alors que normalement on est censé. C'est interdit normalement. Et il va falloir qu'on ait une petite explication. T'as fait que de réussir. C'est ça. Ouais. Donc je te dis pas plus. Ouais, puis je me rends compte que t'es dans la bagnole maintenant. Bah, je t'ai dit, on y va ou pas? T'étais pressé, tu klaxonnes et maintenant on attend. C'est bon, t'inquiète pas, on va être à l'heure. Et je démarre en trombe en faisant déraper le cul du pick-up et on part. Voilà, on va être à l'heure, t'inquiète pas. Mais je ne m'inquiète pas. Morgane de tes côtés, tu vas avec ta voiture aussi, j'imagine. Ou tu prends un taxi, ou c'est possible aussi. Alors là, le but c'est quoi? C'est de rencontrer Nils au Marjorie Café. C'est ça, c'est vous allez à votre rendez-vous quotidien, toutes les nuits, quand en tout cas il vous dit que passez votre jour de tranquille. Vous allez à ce fameux café, bar-restaurant. C'est vraiment pas loin de chez moi, donc j'aurais pu y aller à pied, mais dans un souci pratique pour ranger mon téléphone quelque part, je prends ma voiture. Ça, je laisse dans la boîte à gants. Ok, donc t'as une sorte, c'est ça, t'as une berlingue un peu classique, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, pas trop dire, j'ai pas réfléchi à... Non, ouais, tout le monde voit, c'est une voiture assez classique, un peu... Oui, un peu longue, enfin un peu longue. Voilà, un peu... C'est pas une 106, quoi. Voilà, pas une petite citadine, ouais. Voilà. Donc ouais, vous mettez, bah du coup, ouais, Morgane, tu vas arriver en premier, du coup, je vais rester avec toi. Tu arrives en premier à ce fameux bar-restaurant. Donc, bar-restaurant, donc je dis situé tout près de l'université, c'est à deux rues. C'est un. Comment.
C'est un bar où il y a la clientèle est plutôt jeune, hein, parce qu'il y a bah, tous les étudiants hein, de l'université d'à côté. C'est plutôt animé de semaine comme week-end. Hein. Il y a, vous savez, les étudiants, tous ne vont pas en cours le lendemain, de tous les jours non plus. Donc ils sont là, ils font la fête, ça rigole bien, ça profite comme vous. Vous ne pouvez plus vraiment le faire. Après, je ne sais pas, peut-être pas non plus le style de vos personnages d'être dans ces endroits-là. Peut-être Josh, dans d'autres sortes de resto-bar, peut-être. Oui. Les autres, je ne pense pas. Non. Pour ce qui est de la déco intérieure, voilà, je vous fais déjà un petit topo, vous allez y arriver. C'est beaucoup de boiseries, les murs en pierre comme ça, un peu ancien, mais la déco est un peu plus moderne. Il y a des petites décorations, des tableaux autour de la propriétaire. Il est très attaché à Bâton Rouge, donc on y voit des photographies. Même il y a un semi-célèbre trompettiste qui est passé dans le coin il y a quelques années, où il y a une photo dédicacée avec elle, la patronne et tout, sur le mur à l'entrée, tout ça. Il y a donc un grand bar avec des tables, des chaises, des tabourets, même à certains endroits où il y a juste une sorte de petite table accrochée au mur, comme ça, juste pour se mettre à deux, etc. Il y a une petite scène où il y a des musiciens qui jouent là, continuellement. Et on organise des fois plus des choses un peu plus basées là-dessus, mais de façon générale, il y a un petit groupe comme ça qui fait un peu de musique. Et donc, Morgane, tu vas arriver en premier. Tu m'en revends en premier. Tu sais que donc à disons la salle principale humaine, t'as le droit d'y aller, hein, évidemment. Il y a deux entrées. Par contre, pour aller au sous-sol, là où se passe, où c'est un peu plus réservé aux créatures des ténèbres, je te laisse choisir. Soit tu passes par l'intérieur, où il y a une petite porte, la fameuse petite porte interdite aux clients, enfin réservée aux employés là, ou alors par derrière. Il y a un petit escalier, il y a une porte avec un sous-sol là qui est en fer, gardée, où il faut justifier de ce que tu es pour entrer. Je te laisse choisir par où tu veux rentrer. Ce que Morgan a l'habitude de faire, quoi. Je rentre par l'entrée des humains. D'accord. Donc tu. Peut-être pas en disant bonjour à tout le monde, aux gens que je croise, mais si je croise des regards ou quoi, je souris, je fais peut-être un petit hochement de tête éventuellement. Peut-être que ouais, de temps en temps tu te retiens, mais peut-être que ta nature. T'as pas mal d'humanité, peut-être. Tu aimes peut-être ces moments-là, j'ai envie de dire, peut-être. Tu Voilà, vois, c'est des justement. gens, ils te sourient, il y a des gens qui te sourient quand tu rentres. Certains tiquent un peu parce que bon, t'as un certain âge. La clientèle est très jeune. Tu fais la 40, 45, un peu plus, peut-être. 40, Donc, ouais, 45, ouais, comme tu voilà, l'as t'es, certains tiquent un peu, peut-être, hein, en te voyant, mais t'as des sourires aussi. Bonsoir, monsieur. On te dit. met Bon, certains j'étais respects là. de temps en temps. Et voilà, je te laisse. Hein. Qu'est-ce que tu fais là dans l'immédiat? Est-ce que tu vas tout de suite à votre. Bah oui, je me dirige vers. Enfin, je pense pas avoir grand chose à y faire en haut. Faut que je retrouve Nils, donc je C'est suppose qu'il ça. est en bas. Si je jette un œil et que je le vois pas en haut, et puis je pense pas qu'il soit en haut. Tu regardes comme ça, il y a beaucoup de jeunes ouais, ici. Le barman, qui a un monsieur un peu embonpoint, roux, avec des cheveux longs et une grosse barbe. Chemise à carreaux, il te regarde, il fait un signe de tête. Tu le connais pas vraiment, mais peut-être que lui te reconnaît, enfin tu sais pas trop, il te fait un signe de tête quand tu rentres. Je lui rends, je lui souris, je lui Et rends donc ouais, ses signes de tête. tu vois pas Nils ici, mais tu le connais, il doit être certainement déjà en bas. Dans ce cas, je perds pas trop de temps. Après avoir souri, pardon, et salué ceux qui ont daigné me saluer d'un signe ou autre, bah je me dirige vers la porte. La porte accès réservé, ou je sais plus comment tu l'as dit. Oui, c'est Au juste. personnel. C'est ça, voilà, réservé au personnel, c'est ça. Et alors que tu t'approches de la porte, tu allais peut-être l'ouvrir, il y a une personne qui passe devant toi, qui ouvre la porte, qui tape sur la clenche et qui s'en va, juste. Tu regardes, c'est un serveur, en fait. Donc il appuie sur la Il porte, passe mais devant la il rentre porte, pas il dedans. clenche la porte s'ouvre et il continue Il son rentre pas dedans. chemin, non. Bon bah je le regarde attentivement, voir qui c'est, si je le reconnais ou autre. Il se retourne, tu restes là stoïque, il fait bah, allez-y, et puis il continue à faire ce qu'il fait. Moi j'y vais. Donc tu descends, et pendant que tu es en train de descendre, vous autres vous arrivez sur le parking là, où il y a beaucoup de voitures. Juste, c'est un peu chiant pour se garer.
Encore une fois, tous ces jeunes là qui n'ont rien d'autre à foutre. Et avec un véhicule. C'est ça, c'est pour ça surtout. Si petit aussi. Bon, ouais, bah moi, si je vois qu'il galère et que je descends avant. Attends, je galère pas. Je vais me garer, quitte à avoir une roue sur le trottoir ou quoi, je m'en fous. Et puis je m'apprête à descendre, et oui, je me souviens qu'il fait chier Nils, et je sors mon téléphone portable, je le planque dans la boîte à gants, et en râlant, hein, il fait chier avec ça, et je range le truc, je range le téléphone dedans. Moi je suis déjà descendu, je laisse bougonner, j'avance vers le Marjorie Café. Ouais, mais j'ai bougonné juste 2 secondes, après voilà, je te rattrape. Quand tu commences à rattraper, t'entends un jeune, certainement vu la voix derrière, qui fait « Oh la bagnole! Regarde, regarde !» Et il dit à son pote, et ils sont là, ils s'approchent de ta voiture, ils commencent à regarder, à faire le tour, là. Ouais, je m'arrête, je le regarde droit dans les yeux, le pas super sympathique, et tu peux regarder avec les yeux, par contre tu fous une main dessus, je te jure que t'as une tarte dans la gueule. Et je lui fais un grand sourire. Bonne nuit. Le premier reste comme ça, il te regarde, et le deuxième, il commence à se foutre de sa gueule du premier. Et à coup, il chope aussi ton regard, et puis il reste aussi comme ça. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allez. Allez jouer. Et je te rattrape. Toi, t'étais déjà rentré, non? Bon, moi, j'ai tracé. Allez, t'étais pratiquement... Ouais, tu es dans la porte, tu arrives, donc c'est porte en verre, que j'ai pas précisé tout à l'heure, avec les... je sais pas qu'on appelle ça, les stickers, entre guillemets, du nom du café, tout ça. Ben nous on passe par l'extérieur. Tu passes par l'extérieur. Ah tu passes par l'extérieur. Oh, moi, ouais. Moi je passe à travers le resto, moi je m'en fous. Mmh. Et ben écoute, à tout à l'heure. Et moi je passe dans le resto, je rentre, je trace, je m'en fous complètement, je m'occupe de personne. Et peut-être juste un signe de tête au barman parce que. Ouais, il l'avait préparé comme si pareil. Il avait déjà arrivé la tête quand t'es arrivé, il te le rend directement. Et puis je vais à la porte, là où on a rendez-vous comme d'habitude. Tu passes avant ce fameux serveur qui allait peut-être ouvrir la porte, qui te regarde juste que tu passes. Et... toi, quand t'es l'INSEE, tu donc fais le tour du bâtiment, petite rue où il y a les poubelles, tout ça du resto, enfin bref. Et donc ce petit escalier, en effet, dizaine de marches. Tu y descends et il y a une porte en fer avec juste un petit. C'est pas une lucarne, mais enfin. Oui. Un petit trou comme ça dedans. Qui s'ouvre justement. Et qui a certainement entendu que tu étais là. Et t'as une grosse voix derrière. Qui êtes-vous? Vous venez pourquoi? L'INSEE, je viens voir Neil. L'INSEE, Lynn. T'entends comme des feuilles sur un bloc-notes comme ça. Ouais, c'est bon. T'entends comme un verrou et tout, et la porte s'ouvre vers l'intérieur. Et un gros bonhomme, bien costaud. Bonsoir, Kagazut derrière toi, qui s'écarte pour que tu passes. Bonsoir, merci. C'est toujours le même ou pas? En général, oui, c'est le même. Ça peut tourner de temps en temps, mais vous le voyez souvent. Je connais son prénom ou pas? Oui, Richard. Richard. C'est un grand costaud, chauve. Un petit bouc, habillé comme un videur, j'ai envie de dire, un petit t-shirt, la veste dessus. Donc je lui dis, mais Richard, combien de fois vous allez me demander de poser la même question tous les soirs? Voyons, vous me reconnaissez tout de même. Je sais bien, mademoiselle Ladog, mais c'est le protocole, hein, vous savez, si je le fais pas, certains peuvent le rapporter. Bon, il y en a qui sont assez à cheval sur les règles. Enfin bon. Enfin, vous savez que ce n'est pas mon cas. Je serai pour la prochaine fois. Je vous en prie, il se regarde un peu plus pour te laisser passer. Merci. Bon, et je me dirige vers là où je sais trouver Nils. C'est ça, tous les trois en fait, Morgan et Joss, vous retrouvez dans... Voilà, je vous laisse juste vous saluer, vous retrouvez dans l'escalier, alors que Joss est au-dessus de l'escalier, toi t'es encore un peu en bas, Morgan, parce qu'il y avait des gens qui faisaient un peu la queue pour poser leurs affaires avant de rentrer dans la salle. Et vous voyez tous les deux... Moi, je me dirige vers Morgan, je lui fous une grande tape dans le dos. Je te salue pas, Morgan, mais tu sais, je te fais juste un signe de tête, et puis avec une grande tape sur l'épaule,
Bah, du coup, Voilà. j'imagine que j'étais dos, peut-être que je m'y attendais pas, à la tape dans le dos, non? Toi qui choisis. Parce que si c'est le cas, je me retourne, tu sais, en mode sursaut et je me retourne d'un coup. Après, je fais. Ah, c'est toi. Bonsoir, Josh. Bonsoir, Salut. Maken. Je te Bonsoir, salue. Lindsay. Bon, il est là, c'est bon, on y va. Donc vous savez que vous avez une sorte de table réservée, privilège lié à Nils, où vous savez exactement bien sûr où aller, c'est un peu dans le fond de la salle de restaurant. Je dis salle de restaurant parce que ça ressemble un peu vraiment à l'étage. Il y a pareil des tables, des chaises, le bar, la petite scène où il y a un groupe qui joue. La même chose. Comme un sort de copier-coller, mais pour vous, quoi. Les murs, par contre, il y a moins de boiseries, c'est clairement c'était une ancienne cave ou quoi, qu'ils ont un peu aménagé. Mais qui est propre, hein, ça fait vraiment très sale resto et tout, hein, c'est très nickel. Sauf qu'on ne voit pas le dehors. Y a pas de fenêtre. C'est ça. Bah, on prend place à la table attitrée. Moi, je m'assois un peu, tu sais, un peu avachi dans le, un peu avachi dans le fauteuil, une main dans la poche, les jambes tendues. Et puis j'attends. Je m'assois aussi, mais normalement. Il y a un truc à voir comment vous le prenez. Il y a une petite pancarte pour réserver, c'est écrit privilège sur la petite pancarte sur la table qui a été mise Et là. moi, bah, comme d'habitude, je suis en tailleur sur la chaise et j'ai rouvert le livre que j'avais fermé quand Josh était venu me chercher et je reprends ma lecture. Conversation peut-être souvent entre vous, hein, si vous voulez échanger deux trois mots, le temps que vous vous asseyez. Bon, ça va être des banalités, c'est le voilà je te demande Morgane, bon alors ça va le boulot tout ça Ça va, ça va. Est-ce qu'on peut? Et toi, comment ça se passe? J'ai hâte que ça se termine la période de probation, mais bon. Ah oui. Ouais. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça, c'est la loi, c'est. On ne doit rien. C'est la tradition. Encore une. T'as encore demandé de faire des trucs un peu. Ah, passionnant, ouais. Nettoyer la moto. Nettoyer la boue sur les motos. Nettoyer la boue sur les motos. Nettoyer la boue sur les cuirs. Voilà, ce genre de truc. Ah, t'as acheté le corps sans vie d'un mec dans le marécage aussi il y a 2 jours. Voilà, je m'occupe des déchets. Voilà, je débarrasse la routine. Ah, voilà qui devrait vous sensibiliser à la cause des femmes dans de nombreux pays à l'heure actuelle, Josh. Et ça y est, c'est reparti. Bon, il est où Nils? Puis je regarde un peu dans la pièce. Alors, faites-moi le petit jet d'astuce vigilance qui représente la perception. Parce qu'il y a pas même du monde, hein. C'est quand même un peu à l'étage. Je me disais, il y a que. Bah, vous savez, hein, c'est soit que des descendants, ou des ghouls, ou des calices. Enfin, voilà, il y a du monde. Hein. C'est bien bien chargé. Voilà, j'ai un petit jet de. Et alors que pendant vous le dites, je vais continuer un peu la description de donc la petite scène, comme je vous le disais. Donc, t'as dit astuce, excuse-moi. Astuce Vigilance. et vigilance, s'il vous plaît. Et donc, à côté oui, de cette petite scène, il y a une petite précision que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a. Il y a comme une porte, ou c'est pas une porte, il y a un rideau rouge qui est fermé. Et vous savez que ça donne sur des sortes de petits box où certains vont pour profiter d'un calice, etc. Et tout ce que les petits plaisirs qui vous restent de votre non-vie. Bon, j'ai fait un succès. Moi aussi, un. Toujours pareil, on met un dé de soif, c'est C'est ça? ça, tu prends toujours en compte. Tous tes dés soif, Bah, autant les prendre en compte dans un tous les. succès aussi. Et Et un 0, ça compte ben. un 0? C'est quoi 0? C'est un Non, c'est 10. 10. Ah, donc j'ai 2 réussites alors. Eh bien. On dit sur le lancement? Non, c'est les Ah 10, c'est si tu as 2 oui. 10, Ah oui, c'est ça vrai. compte pas comme 2 succès, mais comme 3 Ah succès. oui, c'est vrai. Eh ben, c'est plutôt legit, c'est que Lynn et Josh, vous êtes en train de discuter de ça, comme tu le disais. Oh, ouais, ça y est, c'est reparti. Nanana. Et toi, Morgan, t'es plus un peu en écart de tous les deux et tu scrutes la foule et tu vois Nils, justement.
Tu vois fameux Nils qui sort de ce fameux rideau rouge là. Qui l'écarte et qui a l'air débraillé. Ou comment dire, apprécier sa soirée pour l'instant. Je l'ai perdu, le bord Nils, il est là. Et il va te remarquer, justement, quand tu le regardes, il va croiser ton regard, faire un petit signe de... Il lève la main et il arrive vers vous. Je le regarde arriver, du coup. La petite question comme ça, du coup, moi, je le connais depuis 2 mois, c'est ça? Depuis que je suis... C'est ça, oui, on n'a pas rappelé, mais oui, tu vois, tu es plutôt jeune. Jeune encore, nouveau-né, comme on dit, mais vraiment dans les... C'est pour ça. Je sais pas si je le tutoie ou si je le vous vois, en fait. Ça, c'est à vous de voir, hein. Ça, ouais, je sais, play, mais c'est pour ça que je me pose la question. Donc voilà le fameux Nils, qui a vraiment cette attitude sur la photo, donc c'est parfait. Très cool, c'est... Voilà, c'est tranquille. Il arrive à vous, il se fait place au milieu des gens. Il a l'air, en tout cas, dès que il vous voit, ravi de vous voir, justement. Bah moi, je me lève, je lui tends la main pour lui serrer la main, et tu sais, je l'attire à moi comme pour lui faire une accolade... Et de la bonne grosse accolade virile en tapant bien dans le dos et tout ça. Quand tu fais ça, il fait ouh, un petit câlin, c'est déjà meilleur de refus. Il te sert bien. Il fait ah, pas les règles par contre. Hein. Il sort un petit appareil comme ça, gris, avec une petite antenne. Il y a une petite LED dessus. Il l'allume, il y a une petite LED et verte. Il fait Josh. De quoi? Ah ouais, il faut. Je vous fais confiance, mais j'aime bien vérifier. S'il n'y a pas les micros et tout ça. Enfin... Il est dans la boîte à gants de la bagnole. Arrête de stresser, c'est bon, ça va. Je vérifie quand même, ça coûte rien. Et il commence à le passer sur tes épaules, ton bras. Il vérifie. Je me laisse faire en levant les yeux au ciel, comme à chaque fois, de toute façon. Et il te voit l'INSEE, il fait « Ma chère amie ». Il fait le tour comme ça, il attrape ta main, sans peut-être vraiment que tu lui tendais ta main, il te fait un bisou dessus. Toujours aussi délicieuse, et il te fait un petit baiser sur la main. Excusez-moi. Vous avez l'air en forme. Ah, je viens de passer un bon moment, c'était fort agréable. Mais, toujours sérieux, il commence aussi à passer le petit appareil sur devant toi, etc. Avec moins de minutie. Que Josh. Peut-être. C'était plus de confiance, vous ne savez pas, mais en tout cas, il met moins d'attention à vérifier sur toi. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux d'oublier d'avoir mon téléphone avec moi. C'est pour ça. Monsieur Rinker. Moi, je le laisse terminer. Ah, mais il finit, il passe directement. Monsieur Rinker, là, il te tend la main, il est un peu plus protocolaire, peut-être. Tout se passe bien. Bonsoir, Nils. Ça va bien, apparemment, vous aussi, ça a l'air de oui, moi, c'est... Je m'inquiète plus pour vous. Vous êtes encore une certaine appréhension de tout ça. Fais avec. J'espère que ce fait avec, Madro, vous en trouverez un certain plaisir, un certain intérêt. Là, je lève un peu les yeux aussi. Ça va bien. Mais bon, est-ce que vous prenez quelque chose? Et il te coupe la parole, comme ça, il te laisse pas finir. Il vous regarde. Il me scanne pas, moi. Bah, pardon, t'as dit quoi? Ça. Ça a recoupé, puis tu disais, pardon? J'ai dit, il me scanne pas, moi? Non, il te scanne pas. Okay. Ouais, moi, je capte même pas, en fait, qu'il a vérifié, qu'il a pas vérifié, Morgan. Oui, il a parlé de boire un truc, donc, ouais, moi, je m'enfilerai bien un petit truc, là. C'est je sais pas ce qu'il y a en stock. Oh, il y a eu quelques petites nouvelles choses. Je vous promets rien, mais je peux toucher un mot. Vous aussi? Et vous regarde, vous deux, Morgan et Lynn. Non, ça ira, merci. C'est moi qui offre. Ça me fait plaisir. Allez, non, un peu merci. Détendez-vous. Oh. Vous le regretterez. Bon, Ils veulent pas. Allez, vas-y, commande et qu'on puisse siffler un coup, là. J'en viens. Il va vers le bar. Et au bout de... Assez rapidement, comme s'il était un peu passé devant tout le monde.
Il revient avec deux sortes de petites coupes comme ça, avec donc un fameux liquide rouge à l'intérieur. Il pose devant toi, Josh. Vous le regretterez. Et il prend une chaise qui est derrière lui, il se met à votre table. Alors moi, je veux... Vas-y. Je veux juste non de la tête. Vous le regretterez, je fais non de la tête. Moi, je le prends et je bois, je vide le truc cul sec. Eh bien, mon cher Josh, tu peux me faire un dessin. Donc 2d10, et sur ta table, le premier qui sera devant sera l'unité, etc. Ouais, t'inquiète. Pas la dizaine et l'unité. 35. Il te vient une certaine... quand tu reposes ton... Tu ressens une certaine dextérité dans ton poignet quand tu reposes ton verre. Et une rapidité dans tes doigts. Et donc, point de vue mécanique, pour cette nuit, tu vas prendre plus 1 en larcin. Tu es ce que tu bois, comme on dit, dans cette nouvelle V5. Donc voilà, tu as un petit bonus, une résonance de sang que tu obtiens. Donc juste pour cette nuit, tu as un plus 1 en larcin. Ok. Et voilà, tu sens juste un peu plus... Ouais, voilà, il y a une petite déliance dans tes doigts. Voilà, tu te sens un peu plus... agile ou quoi, enfin tu sais pas trop, une petite sensation un peu spéciale. Juste pour le côté technique, bon moi je connais, mais tu peux peut-être expliquer le pourquoi du truc pour ceux qui écoutent et qui se poseraient la question. C'est ça, et je te laisserai compléter si j'oublie une petite chose, si tu veux bien. Donc la résonance de sang, c'est donc chaque être humain a, en fonction de son humeur et de ce qu'il est, etc. Son sang a ce qu'on appelle donc une résonance, certaines vertus, comment dire ça, je vais pas dire goût, mais c'est ça aussi, qui en termes de mécanique peut vous amener des choses et qui peut vous amener peut-être à choisir justement ce type de sang petit à petit. Et donc c'est là aussi qu'on définit un peu, là on a déjà défini avec les joueurs leur domaine de prédation, donc c'est-à-dire comment ils se nourrissent. Mais là, vous pouvez peut-être viser du sang que vous appréciez de plus en plus, qui sera encore plus, un peu plus spécial, donc du coup pour votre chasse, plus spécifique, comme par exemple des ventrus qui ne jamais se nourriront sur des SDF et tout comme ça. Enfin voilà, parce que vous recherchez quelque chose dans le sang, et à force, vous pouvez obtenir du coup certaines facilités à développer certaines compétences, capacités, etc. Grosso merdo, voilà. Si t'as, ouais. Comme tu dis, tu connais aussi Eric le lore, donc si tu veux acheter une petite chose, les règles, je veux dire. Bah sinon, c'est juste le truc vite fait, c'est juste que le sang qu'on m'a servi, ça provient très certainement d'un criminel, peut-être ouais. Pas forcément de la grosse pègre, mais un petit criminel. Et voilà, c'est j'ai absorbé temporairement une fraction de son d'un talent particulier qu'il avait, et voilà. C'est ça. Pour le voilà, comme petit point mécanique de seconde, c'est que normalement, entre guillemets, le jeu te file des nombres des PNJ avec telle résonance. J'ai créé une table, moi je trouvais ça plus sympa. Et voilà, où j'étais un dessin et j'ai répertorié voilà, des choses. Et puis c'est bien foutu, on tombe sur l'arsène avec ton personnage. Tu serais tombé sur représentation, tu me dirais bon, ça aurait peut-être pas servi pour le coup, mais bon, voilà. Donc c'est bien foutu. L'arsène, c'est bien, c'est plutôt bien foutu. Et donc, oui, notre fameux Nils. Boit petit à petit son petit verre. Il a l'air très détendu, juste... comme je dis. Vraiment très détendu. Pendant ce temps-là, j'ai rangé mon livre et j'ai sorti un petit carnet de notes et un stylo. Et je suis prête à noter comme régulièrement ce qu'il va nous demander. Voilà, les éléments. Alors, j'écris ça de manière assez obscure parce que tout en me disant que si jamais je le perds, il ne faut pas que ce soit... trop explicite pour éveiller les soupçons, mais voilà, ça nous sert à noter bah, des fois des gens, des numéros de téléphone, des adresses, voilà, ce genre d'éléments. Donc je suis là et puis voilà. Moi je fais juste un signe de tête à Nils une fois que j'ai bu mon truc et que j'ai savouré un peu cette chopine de sang et je dis bon alors. Qu'est-ce qui se passe quoi de neuf C'est toujours aussi calme du côté de la tour d'Ivoire. Hein
Ouais, assez. Ouais, oui, assez calme. C'est. Je vous l'ai déjà dit, hein, je trouve ça pas normal. Enfin, pour moi, c'est bizarre. Le Mais t'as... baron Jones, lui, il a pas l'air de s'en inquiéter. Ah oui, c'est toi, tu trouves pas ça normal, mais les autres ont pas l'air d'être plus inquiets que ça. Bah, ils sont certains, si, quand même. Mais en tout cas, les barons, ça a l'air d'aller, ils ont l'air d'être sereins, ils ont l'air de dire que c'est seulement le moment propice à peut-être se développer, aller chercher d'autres territoires, enfin, la folie des grandeurs. Je suis plus prudent. Je préfère dire ça que c'est plutôt. C'est pas normal. C'est pas normal. On leur a piqué quand même ces derniers mois quelques territoires en ville, notamment près des écoles, parce que bon, certains sont friands du sang de ces jeunes hommes et ces jeunes filles. Donc on a voulu se rapprocher un peu de certains territoires. On a réussi à choper en tout cas celui-là d'à côté. Ici, voilà, je vous l'apprends peut-être. C'est plutôt pour le moment chez nous, un peu plus qu'au-delà de ces murs. Et justement, la mascarade, chacun d'entre vous, c'est ok? J'ai pas d'autres choses. Il reprend plus le sérieux, vous voyez, qui se redresse sur sa chaise quand il parle de ça. J'ai pas des choses à gérer, parce que déjà, il y a 3 jours, il y en a qui a fait une connerie, on a dû le faire déménager, on va dire. Non, Rien à c'est... signaler, pour ma part. Non. Et là, il a comme un petit souvenir, tu vois, Morgane, il te regarde, il fait... Et votre femme? Ça se passe toujours pareil. Toujours pareil. Aucun soupçon. Aucun. J'avais une femme il y a maintenant bien longtemps. J'aurais déménagé subitement dans ma cave, je pense que je l'aurais plus cherché la petite bête. Hein. Vous avez bien de la chance. Question de confiance, je pense. J'appellerais pas ça de la confiance. Mais je n'oserais pas utiliser un autre mot qui serait plus propice. Bah bon, il se remue dans sa chaise, comme ça au fond de sa chaise. Il remue un coup. Femme, enfin, je vous avais promis quelque chose de pas mal, hein, Josh. Hein, je suis bien content de. Il regoute là. Ouais, c'était pas mauvais. Bon, sinon, on est là pour quoi exactement là? Ah bah oui! Vous êtes bienvenu pour quelque chose, pas juste pour passer une bonne soirée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas que moi y a que moi qui ai le droit de jouir de ce plaisir. Eh ben, vous êtes demandé au prénom des barons. Je voulais choisir, c'est lequel? À votre avis. On est demandé par un baron? Un des deux barons. C'est lequel, selon vous? Bah si c'était Dicklan, il me l'aurait dit. Eh Parce ben, que c'est je bien, monsieur Harp. Donc il vous l'a pas dit, je sais pas si c'est bizarre pour vous, mais il vous l'a pas dit. Bah dans la mesure où c'est un petit peu mon patron, autre que juste le baron, c'est voilà. Oui, je comprends rien avec votre truc de même si là. Je comprends vraiment rien. Et on a retiré tout ce système de soi-disant hiérarchie stricte, mais là vous, c'est encore bien ancré, hein. Eh ouais, bah comme quoi il n'y a pas que la Tour d'Ivoire qui a ses traditions. Enfin, Non. ça reste entre nous, hein. Je veux pas non plus avoir trop de problèmes avec eux. Moi, je trouve Ah bah ça je un m'en peu fous. spécial. Je m'en fous en fait. Y a pas de souci, je vais pas aller tout rapporter comme ces trous du cul de la Camarilla. Dès qu'ils entendent un truc qui les défrise, ils vont tout de suite rapporter ça. Au prince ou au shérif ou autre, je m'en fous complètement. Oui, bon, bref, donc il nous attend, il faut qu'on le retrouve où alors? Eh ben, il est donc la voix de la raison, elle est là. Et donc, oui, monsieur Harpe, donc le fameux baron Gangrel, vous attend bah, chez lui, hein, dans son. Je sais plus comment ils appellent ça, hein, là, leur chez eux, quoi. Au sein du bayou, comme d'habitude, ce serait une histoire de transport, si je me souviens bien. Il faut que vous preniez un véhicule et que vous le laissez charger un endroit et que vous revenez avec. Enfin bon, je ne sais plus trop exactement, il vous précisera l'affaire. Je connais ce genre de truc, y a pas Très bien. Voilà, c'est Bah le camion écoutez. Affrété là de c'est lié à la ville, donc oui, vous pourrez circuler dans la ville, je sais pas trop quoi, c'est ok pour le camion, enfin. Oui, bon, on va voir tout ça avec lui parce que ça sera certainement peut-être plus précis. Bon, allez,
Bah écoute, s'il nous attend, parce que bon, il peut être cool, mais il y a des moments, s'il attend trop, ça le fait chier. J'ai pas envie de le foutre en colère. On va peut-être y aller, hein? Par contre, entre nous, avant que vous y alliez, une chose personnelle. Essayez-moi de choper le vice-président. Enfin, en tout cas, de tomber dessus et dites-lui que je l'attends aussi ici. De Stuart? Oui. Monsieur Miller, oui, j'ai besoin de. C'est entre nous. Je veux pas que vous demandiez où est-ce qu'il est, ne voulez pas de soupçons. Juste si vous le voyez sur place, demandez, s'il vous plaît, mes chers enfants, à ce qu'ils viennent aussi me voir cette nuit. Ou plus tard demain. Ok, bah je vais Passera voir le ça. message. Bon, je sais qu'il y a des histoires. Et ça me dérange, je trouve ça complètement crétin. Si vous me permettez, qu'entre nous, il y a des problèmes. Il y en a déjà assez entre bikers, entre barons. Enfin, je veux pas le voir forcément pour ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut que je le voie. Ouais, ok, bah si je le vois, si je le vois, je lui passerai le message. S'il est réfractaire à venir, insistez sur le fait que c'est dans son intérêt. Je pourrais pas vous en dire plus pour le convaincre, mais je veux pas non plus qu'on Oh, nous bah, je veux entende pas de trop, parce savoir. que oui, les tables Non, sont non, mais assez je veux proches, il y a pas. du monde, hein, donc ils s'espantent Je veux pas. pas savoir plus. Après, j'essaie de le convaincre. Après, je suis que prospect. Il m'écoutera peut-être pas forcément. Donc, bah, s'il vient, c'est bien. S'il vient pas, j'y peux rien. Moi, j'ai passé le Bien message. sûr. Après, il prend ses décisions comme un grand. Bien sûr, tout à fait, mais enfin. Je peux comprendre que c'était peut-être bientôt fini votre situation, enfin si vous acceptez d'enfiler le reste des badges, si j'ai bien compris, c'est peut-être la seule chose que j'ai perçue. Ouais, s'ils acceptent de me les donner, déjà. D'accord, c'est plutôt comme ça, bon. Comme quoi, j'aurais mieux fait de me taire. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, je m'en fous. C'est bon, allez, on y va. Parce que Mais le. je vous attends. Allons-y. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un petit jet de vigilance, encore une fois, mais avec c'est quoi? C'est intuition, il me semble. C'est pour rester sur ses gardes, en gros. Je crois que c'est intuition, ça semble plus logique. Intuition. C'est plutôt intuition. Je dis une bêtise, donc c'est pas vigilance, c'est intuition et astuce, s'il vous plaît. Alors, Trouve pas intuitif. Non, moi non ouais, plus. c'est pas intuition, c'est un truc qui ressemble pas. Bon, non. parce que j'ose pas, parce que je capture Rotomty, j'ose pas ouvrir une fiche, mais bon, je vais quand même le faire, tant pis. Je vais ouvrir une fiche que vous connaissez Non, bien, pour faire de bêtises à l'écran. la vigilance, ça peut le faire aussi, hein. Eh ben, je suis 3 bits V20, il n'y a pas intuition dans la Bah ouais. dans la V5. Eh ben, faites le même que tout à l'heure, sinon, avec la vigilance, ça me va. Certaines choses ont changé par rapport à la durée. Donc pareil, je rappelle, hein, donc vous additionnez vos dés, vous remplacez avec vos dés de soif, sortez un de vos dés, et vous me dites combien vous faites. Une réussite. Une réussite. Quatre. Il est au taquet, Josh. Une. Eh ben écoutez, Josh, alors que tu es en train de parler avec Nils, donc tu es assez aux aguets, assez sur tes gardes, il y a une personne qui est rentrée. Qui vous a vu mais qui est ressorti tout de suite. Elle est rentrée par la porte de derrière. Celle où vous êtes arrivé avec. Celle où Lindsay est arrivé. D'accord. Est-ce que j'ai identifié, j'ai quelqu'un que je connais ou pas? Avec Kat, t'as eu le temps, c'est pas quelqu'un que tu connais. C'est un assez classique, brun, cheveux courts. Tu lui donnerais 25 ans, un truc comme ça. Habillé avec un hoodie, une capuche. Ouais. T'as fait 4 verts, la capuche, la veste. C'est vraiment l'attitude de. Il est rentré, il a vu votre table, il est sorti tout de suite. Tu l'as vu comme ça, t'as vu ce comportement. C'est Pendant la que t'étais direction là. dans laquelle on se dirige ou pas? Pardon, c'est quoi? Est-ce que c'est dans la direction dans laquelle on se dirige pour partir? Bah, si vous sortez par la porte où t'es arrivé, oui. Bah Mais. moi je me dirige par là. Ouais, on va y aller. Par contre, moi, je vais précipiter, je vais y aller un peu vite et le juste, enfin, quand je vois ça, je dis juste en direction de Nils, je crois qu'il y a un petit fouille merde et je fonce. Je vais le plus vite possible jusqu'à la porte pour essayer de rattraper le type.
Eh ben écoute, fais-moi. Moi, je... Oui, vas-y, dis-moi d'abord. J'emboîte le pas de Josh et normalement il y a Richard, mon ami Richard, à l'entrée, à la porte. Moi je reste sur place, je comprends pas ce qui se passe. En effet, tous les deux se lèvent précipitamment, plus précisément Josh. Mais vous allez faire deux actions simultanées, donc Lynn, c'est dis-moi ce que tu vas faire et Josh derrière le petit jeu de... En fait, je pense que lui il se dirige directement vers la porte et il part pour le rattraper, c'est ça? Ouais. Et du coup, je pense qu'il va me dépasser. Mmh. Et moi, après, je vais m'entretenir avec Richard pour lui demander s'il a vu la personne. D'accord. Donc d'abord, Josh, s'il te plaît, la dextérité plus l'athlétisme plus ta célérité, s'il te plaît. Donc ton niveau de célérité est ajouté. Moi, avec une réussite, j'ai pas perçu le truc. Non, il y a du monde. Et c'est d'accord. Pour ça que justement, ça va être un peu dur, Josh, de vite aller. Parce qu'il y a du monde, il faut que tu esquives tous les gens. Tu m'as dit dextérité, athlétisme. Plus ton niveau de célérité. Tu me sens que t'en as un, grâce à ta prédation. Ouais. Bon. Il y a du dé. 1, 2, 3... 4 succès. Eh ben, Fire parfait, le parfait gangrel sur ses instincts animaux qui va bondir, et donc tu vas esquiver tous les gens, tu vas peut-être même t'appuyer un peu sur une table des gens qui étaient à côté pour passer au-dessus d'une chaise ou quoi, un peu un truc comme ça, où certains vont se retourner sur le coup, et tu vas être très rapidement à la porte. Pendant que l'initié, toi, tu t'es juste dirigé vers Charles. Morgane de ton côté, est-ce que... Donc ouais, tu les as juste vu se lever, tu veux les suivre, tu veux parler, lui demander quelque chose à Neil, je sais pas. Bah ouais, vite fait, je me tourne vers Neil, je lui demande... Qu'est-ce qui se passe? T'as compris quelque chose? Monsieur Callaghan est un homme d'action, je lui dis ce qu'il a à faire, je pense qu'il a envie vite de rentrer à son refuge. Mais c'est bien, c'est... Vous êtes... voilà, je vous rappelle pourquoi vous avez été créé, votre coterie, hein. Voilà, on a l'action, on a la sagesse, on a un peu l'intelligence, tout ça. On a un bon petit cocktail et je suis très content en tout cas d'être votre mola, de vous guider. Je vous invite, à mon avis, à vous les suivre avant qu'ils vous distancent et vous laissent ici. Oui, bien sûr, je vais y aller, mais bon, c'est un peu étrange aussi précipitamment. Ah, ce Joss, c'est quelqu'un de précipité. Monsieur Rinker, il te retend la main. Je serre la main et j'y vais, mais tranquille, enfin, à une allure normale. Et tu le vois juste, il relève un bras pour appaguer quelqu'un, il se dirige vers la personne, commence à lui serrer la main, lui parler, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Josh, donc je dis, t'arrives, bim, à la porte, j'imagine que tu veux sortir tout de suite. Ouais, bah j'ouvre la volée. Hein. Voilà, avec tes très bonnes réussites, avec 4 réussites, tu passes à côté du portier, de Charles, tu ouvres la porte tout de suite, il a juste le temps de... Wow, faire un petit... et toi tu sors. Ouais, je sors et tout de suite je fais un grand regard circulaire pour essayer de choper la silhouette à capuche verte. Et tu sors, tu vois les escaliers et tu vois justement comme t'es en contrebas, tu vois la capuche, si je peux dire, qui est en haut et qui commence à s'éloigner. Ah bah j'y vais en courant. Tu vas en courant. J'y vais en courant, je cherche pas. Pendant juste l'ascension des escaliers, Lindsay, je te laisse donc t'approcher de Charles et de. De Richard. Et de discuter avec lui, enfin en tout cas lui demander. Vous venez d'ouvrir à quelqu'un? Oui, il y a une personne qui est. J'ai même pas eu le temps vraiment de. Enfin, comment dire? Il y en a un peu autour. Il m'a donné un nom qui n'était pas le sien, donc je l'ai fait rentrer pour vérifier et il est parti tout de suite. Et vous a donné quoi comme nom? Il m'a dit Maurice Stewart, mais c'est pas Maurice Stewart. Mm-hmm. Donc, j'ai pas le temps de dire quoi que ce soit, qu'il est reparti et que votre. C'est monsieur Callaghan, oui, je reconnais bien. Oui, oui. Le dos de ce veste de cuir qui est sorti précipitamment derrière. Donc, bon, je veux pas savoir l'histoire, j'ai envie de dire. Hein, je vais pas non plus m'intéresser à tout le monde. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression de reconnaître ce jeune homme. Il y a des caméras sur le restaurant ou pas, qui filment l'extérieur ou le parking? Pas depuis ces derniers temps, parce qu'on a peur que, vous savez, l'acquisition qui pourrait surveiller peut-être ou pirater. Enfin, on a retiré, et on a retiré depuis quelques semaines, au cas où. C'est dommage. Sous ordre de monsieur Holmes. Bon, bah merci Richard, bonne soirée. Bonne soirée, et j'espère que rien de très grave, mademoiselle. À ce moment-là, j'ai rattrapé, moi, je pense. Oui, t'es derrière elle, t'arrives directement.
Ah, Morgane, bah viens, on y va. Il se passe quelque chose? Vous avez détalé comme ça? J'ai pas compris. Bah, Josh est parti, il y a quelqu'un qui vient de se faire passer pour Maurice Stewart et qui apparemment est venu regarder ce qui se passait ici. Et Josh est parti à sa poursuite. Viens, on va voir si on peut les rattraper. Rejoignons-le, oui. Initial, tu peux juste me faire un jet si tu veux De... Si pour te, si tu connais le nom. Je Ah, maîtrise pas alors complètement les c'est... compétences. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est quoi, c'est intelligence Ça va être intelligence, oui, je pense. Et puis la Un truc genre... compétence. Tout pour investigation. Ouais, ça peut. Ça peut. Ça peut, ça peut. Une, deux, trois, quatre réussites. Parfait. Alors c'est très bizarre parce que ce nom, c'est le nom d'une personne de la Camarilla qui était évoquée lors d'une réunion avec Sierrario. Parce que elle voulait nuire à cette personne, mais finalement, bon, t'as pas eu de nouvelles de plus que ça. Mais donc c'est étrange qu'il ait donné ce nom-là en tout cas, pour le coup. Sauf si c'est vraiment lui. Sauf si c'est vraiment lui. Mais ouais, le portier t'a justifié que c'était pas lui. Enfin, selon lui, c'est Ouais. pas lui, hein. Donc après. Ok. Bon, quand on a terminé de remonter les escaliers avec Morgane, on sort, la porte se referme derrière nous. On fait quelques pas et je regarde, est-ce qu'il y a, je sais pas, des gens, des jeunes qui seraient dans le restaurant, qui se seraient sortis fumer une cigarette ou qui seraient en train d'arriver ou de repartir ou de garer leur voiture, qui auraient pu voir ce qui s'est passé en fait. Il y a des gens sur le parking de base qui soit arrivent en voiture ou repartent, et il y a quelques groupements de jeunes, ouais. Et surtout, bah, tu vois le dos de Josh qui court vers à travers le parking, et toi, Josh, donc ouais, tu cours vers cette fameuse capuche verte. C'est ce que tu vois du Ouais. coup, Lindsay, au niveau des D'accord, personnes qui sont bah là. je me dirige vers ce groupe-là et je leur dis excusez-moi de vous déranger. Vous avez vu la personne là, le type avec qui vient d'entrer, de ressortir précipitamment? Ils se regardent entre eux. Madame, non. Enfin, on est là, on boit un coup sur le parking avant de rentrer parce que c'est trop cher dedans. Enfin, voilà, on n'a pas beaucoup de sous, on est étudiant, mais on était plus concentré là-dessus. Mais je sais pas, non, il y a un tas de mecs qui passent là. T'as vu quelque chose, toi? Le deuxième qui fait. Bah, j'ai vu un gars qui m'a bousculé, même, qui a couru dans le parking, c'est tout. J'ai pas vu de. Non, désolé, madame, il n'y a pas de. Il était comment? Bah, il a un cuir sans manche comme ça. Il s'écrit quoi dans le dos? C'est Prospect, je sais pas, enfin bref. D'accord. Il a couru, il m'a bousculé, voilà, c'est tout. Mais l'autre, il y avait un autre type, il courait après un autre type. Je fais un petit jet. peut-être, ouais, j'imagine qu'il courait pas après le vent, mais non, j'ai pas de. Bon, Bon, non, et il n'y a pas. pour 5 dollars? ils se regardent entre eux. Moi je dis, 5 Lindsay, laisse dollars. tomber, ils ont rien vu. S'ils acceptent, ils vont juste prendre tes 5 dollars Oui, et mais nous dire des conneries. tu sais que la stimulation et la motivation, ça réactive la mémoire beaucoup plus Oui, fortement. mais un Trop gars qui loin. fait. Ouais, moi j'ai vu, ouais. Ouais, il y a un Pas gars. trop loin. Dans le parking et tout, ouais. Mais je répète, laisse tomber, Lindsay, il va te dire n'importe quoi. Juste Non, non. Non, non, pour être sur tes 5 j'ai dollars. vu monsieur n'importe quoi, attendez. J'ai Alors, vu, non. il était habillé comment? Il avait l'air de quoi, ce gars? Il avait une chemise, je crois. Enfin. Puis les. Ouais. Pas faire un jet, moi, Et d'ailleurs, pour déceler si. tu peux, mais. Vas-y, c'est toi le Il a pas l'air très psychologue. précis, ouais. Enfin, ouais, voilà, en passif, toi, tu sens que c'est pas net ce qu'il est en train de Oui, raconter, mais. de base, oui, j'ai. Et ouais, si, il avait une chemise, là. Et. Hey, il avait un regard vénère, le mec. Et il sortit et tout. Là, je demande, il avait quoi sur la tête? Ben. Je sais pas le temps de voir ça. Non, je sais pas, ça, je sais pas. Bon, c'est pas très précis Mais. comme. Je Il préfère les faudra 5$, être je plus vous ai aidé, précis la prochaine fois. les 5$, je vous ai aidé. Pas beaucoup, là. Bah, ce J'ai dit sera que j'ai pour vu la un gars, prochaine c'est ce que vous fois. vouliez. Non, je voulais savoir comment il était. Mais c'est pas grave, ouvrez l'œil et peut-être que la prochaine fois, ce sera utile. Allez, bonne soirée.
Pendant que vous gênez, casse-toi, c'est ça, ouais. Puis on parle entre eux. Toi, Josh, j'ai surfé sur ton 4. T'arrives derrière le dos du gars, je me dis que tu veux le plaquer ou un truc dans le genre, ou faire ça. Ah bah oui, oui, c'est... Tu, en fait, tu le plaques par terre devant une voiture, qui est garée déjà, il n'y a personne dedans. Et il fait tout le poids de ton corps, hein, t'entends le fameux cri là, sur le fameux gémissement sur le béton. Je lui colle carrément, je lui attrape tout de suite la capuche pour lui retirer de la tête. Et j'ai bien collé mon genou au creux de ses reins pour... Lâche-moi, putain. Tu essaies de te mettre des coups, mais il galère avec ton genou sur le côté là. Mais tu veux quoi, toi? Gasse-toi, biker de merde. Mais basse-toi, barre-toi. Et il essaie de s'enlever, mais de plus en plus il a souffle coupé, il bouge de moins en moins. Ah, mais je me laisse bien. Du coup, c'est qu'il respire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu sens qu'il respire, ouais. Il a des réactions au niveau du... Un damné, un descendant, le genou comme ça, il aurait peut-être pas souffert à ce point-là. Il commence de plus en plus à moins parler et à moins en moins à bouger. Donc je me penche vers lui, je colle ma bouche juste à côté de son oreille. Et je lui dis, écoute, t'es pas rentré là où t'étais. T'as pas pu rentrer comme ça, juste par erreur. T'étais là pour une chose précise. Je t'ai vu, t'as ouvert la porte. Tu m'as vu, moi et les gars avec qui j'étais en train de discuter. Tu t'es tout de suite barré en courant. Donc maintenant, t'as deux solutions. Soit tu me dis gentiment pourquoi t'as fait ça, qui t'envoie ce genre de truc. Soit tu réponds pas. Et là, on va faire ça. Là, je vais être obligé de faire quelque chose d'assez sale. Et tu vas dérouiller. Ça, je te dis tout de suite. J'arrive pas à respirer. Je relâche un tout petit peu la pression pour qu'il respire. Mais je lui ai... En fait, si tu veux, je lui ai attrapé le cou. J'ai la poigne au niveau du cou et je lui plaque la gueule, la joue contre le sol. J'ai du mal à parler comme ça. Je le chope, je le relève, je le claque contre la portière de la bagnole. T'as la tête qui fait pong contre la porte. Oh putain! Je le retourne de façon à l'avoir bien devant moi et voilà, tu sais, j'ai chopé bien par le col et il est plaqué contre la bagnole. Limite, je le soulève un tout petit peu. Là, c'est bon, ça y est, tu respires maintenant. Alors tu craches le morceau tout de suite. Je vais te répondre tout de suite. Morgan ou Lindsay, pouvez-vous me lancer 6 dés, s'il vous plaît? Un ou l'autre, hein, pas tous les deux. Un ou l'autre. Bah vas-y, Morgan. Oh, t'es plus chanceuse que moi, je pense. Là. Et il te fait... j'en sais rien, moi deux. Et il voit ton regard. Et... Ah, ok. Il y a un gars en cours aujourd'hui. Enfin, j'étais en trop de cours. Il m'a fait... Tu veux te faire 200 dollars? Bah ouais. Et du coup, j'ai mal. Il m'a donné une description, il m'a dit de venir et qu'il devait être seul, mais là j'ai vu que vous étiez avec ce gars, donc j'ai pas trop d'emmerde en plus. Donc je suis parti. Mais c'est tout ce que je sais. Enfin non, il y a autre chose. Mais j'ai une côte pétée. Ah, j'ai une côte pétée, je suis sûr. Ah, t'inquiète pas, si t'avais une côte pétée, tu le sentirais. Mais continue à me faire perdre mon temps et ça va t'arriver, t'inquiète pas. Non, en fait, je devais surveiller ce gars et toute la soirée, il m'a donné un nom à donner, ça ferait rentrer. Quel gars? Qui est-ce que tu devais surveiller? Il te fait la description de Nils, soit il dit, voilà, il a frisé, que une moustache, il est comme ça, un peu comme ça. Ouais. Et celui qui t'a demandé de faire ça, il ressemblait à quoi? Je sais pas, j'ai pas vu sa tête, il y avait une capuche noire, comme ça, il était habillé tout en noir. Il regardait ses pompes quand il me parlait, il m'a juste tendu le billet, il m'a dit ça. Donc le type, tu le connais pas, tu vois même pas sa gueule, il vient, il tend des billets, il dit d'aller te présenter un endroit sous un faux nom, aller surveiller quelqu'un que tu connais pas, dans un lieu que tu connais même pas, tu te poses pas de questions. T'es tellement con que tu prends le pognon et t'obéis bêtement aux ordres d'un inconnu. Ça me paye plus de la moitié du loyer de la chambre. Bon, nous on arrive peut-être à ce moment-là. C'est ça. Vous avez combien au CD? T'as fait combien au CD? 4 réussites. Il y a des gens qui sont pas mal retournés sur Josh.
pas bah, mal. J'arrive d'un pas tranquille. Et qu'ils parlent entre eux, genre, qu'est-ce qui se passe? Je lui mets la main sur l'épaule à Josh, comme ça. Et puis, je lui dis, c'est toujours en finesse et plein de discrétion, mon cher ami. Madame, aidez-moi, il m'a agressé, lui. Lui, il m'a pété une côte, je suis sûr, bordel. Il se repose sur lui-même, comme ça. Ah. Donc je le prends sous le bras et je lui dis si tu tiens à tes autres côtes, tu me suis et tu t'es. Oh, on voit le physique hein, que tu as, tu dis ça, il te regarde, il fait. Mais qu'est-ce que. Mais vous savez quoi ici? C'est quoi votre problème? Chut. Je le lâche, après je suis prêt à intervenir si jamais. Je te jette un coup d'œil et puis je te dis on peut peut-être avancer tranquillement. Ouais, je vais faire un sort de jet de courage de la foule, est-ce que quelqu'un va oser approcher? Non, mais j'allais dire, le jet, il était pour nous deux, c'est ça? Oui, c'était pour tous les deux, c'est pour voir. En fait, c'était un jeu de proba, comme je fais forcément sur un jeu de rôle, pour voir si des gens allaient réagir. Je visais 2 dés, donc j'ai fait 4. Et personne n'a l'air vraiment de bouger autour, ça regarde beaucoup, ça parle, ils hey, vous entendez, hein, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Ouais, oh, il y a un gars, loin, il a agressé un autre mec. Ils sont loin? C'est autour, hein, c'est à une dizaine de mètres, un peu plus, un peu moins, tu vois, il y a des gens autour. Comme je dis, il y a pas mal de monde, comme l'a demandé tout à l'heure Lynn. Sur le parking, qui sont là, les jeunes arrivent et tout, hein, les 18h un peu plus maintenant, évidemment, 18h30, 19h. Donc les gens du commencent coup, à se rassembler. Je fais demi-tour vite fait, je m'approche d'eux, enfin je vais en direction de la foule. Un des groupes, ouais, il y a 2-3 personnes ensemble. Ouais, je dis juste, vous inquiétez pas, monsieur dame, un simple délinquant. Dans lequel alors. Sens, monsieur le mec avec le cuir là, il me sautait dessus quand même. Et l'autre, il a gueulé. Oui. Un peu, ouais. Il dirait qu'il y en a un qui fait. Non, non, mais. C'est les bikers, là. Les... Il, tu est, il, pas est rentré, il est rentré par une entrée où il avait pas le droit. Enfin, c'était réservé au personnel. Et là, son pote vient lui parler des bikers, il te fait. Là, il te goûte, son regard a changé vers toi, il te fait. Ouais, un délinquant, ouais, de toute façon. Vous inquiétez pas. Ouais. Il y aura rien de bien dramatique. D'accord. Moi je suis l'INSEE qui a embarqué le mec. Mais tu sais, en fait, je fais exprès de longer un peu toute la foule de gens qui sont là. Et je les regarde vraiment de mauvais, tu sais, sur le côté, avec un regard de prédateur, hein, de toute façon. Mmh. Et voilà, pour un peu intimider, un peu, voilà. Et... C'est vrai que t'as encore un dos de soif, hein, toi, du coup, ça a pas étanché le verre tout à l'heure, ou ça l'a étanché, je sais plus la règle. Si, c'est étanché, mais voilà, c'est juste, là, j'en rajoute exprès. D'accord. Dans le côté, viens pas me faire chier, quoi. D'accord. Du coup, moi, je l'entraîne toujours par le bras, en le calmant, en lui disant, on va régler ça tranquillement, entre personnes civilisées. Et quand, comme on connaît, je pense, les environs du bar, mmh. du bar-restaurant, comme on y est régulièrement, je pense que ça nous arrive de devoir partir ou arriver précipitamment, enfin dans des circonstances plus ou moins suspectes. Donc je pense qu'on connaît peut-être, j'imagine, une petite ruelle entre deux immeubles ou entre deux bâtiments ou un parc qui est... Oui, mais qui est vide ou avec quelques dealers à cette heure-là, enfin je sais pas, mais un coin un peu peinard où personne vient fait, trop regarder quoi. En fait, Morgan habite pas très loin, donc ouais, il connaît aussi pas mal, il peut vous dire une rue où, comme tu dis, un truc assez calme, pas de souci. Ouais. Ok. Bah du coup, on s'embarque là-dedans. Moi, je surveille les alentours une fois qu'il n'y a plus trop de monde et je regarde qu'il n'y ait pas de caméra de surveillance. Je te fais pas faire de G1, tu regardes, c'est une petite ruelle, tu vois vite s'il y a des trucs, mais y a rien du tout. Ok. Mon ami ici, présent à... Le jeune est Philippe, je l'ai emmené et tout. Commencer à te poser des petites questions et on aimerait que tu répondes rapidement parce qu'on a autre chose à faire après. Et tu sais, le gars, je sais pas s'il est encore debout, mais... Je tiens, il est un peu penché comme ça, et vous l'avez peut-être mis assis sur une poubelle, un truc. Et là, il se tient bien à côté. Bah, s'il est assis, moi, je m'assois à côté de lui, et tu sais, là, je me mets un, j'ai un coude sur le genou, et mon autre main, et je le fixe sans cligner des yeux, sans ôter vraiment le inexpressif, mais je le fixe pendant tout le temps que tout le monde lui parle. Là, je vais vous laisser, je vais rien dire. C'est juste, voilà, par la présence et tout ça, je veux...
Je veux l'intimider okay. et le avant que, je fasse un... avant que je fasse un petit jet pour lui de volonté. Mm-hmm. Morgane, tu penses quoi de cette scène du coup, t'es à côté? Comment ça? Qu'est-ce que t'en penses? Mm-hmm. C'est quoi ton ressenti? Bah, pour l'instant, Il a t'as fini de calmer les gens et tu nous as rejoint. Oui, je pense qu'il est venu avec vous, j'imagine. Hein derrière, ouais. ils ont arrêté de parler la foule et tout. Ouais, ça, bon, ça va faire la discussion sur le oui, parking pendant une petite nuit. Ce sera l'événement de la soirée. Voilà, il y a un mec avec un bouson de cuir qui a jeté sur un jeune. Ouais, ça va faire parler. Hier soir, j'ai vu un mec qui s'est fait choper par un biker, je te dis. Qu'est-ce que j'en pense? Ils étaient quatre. Pour le moment, j'en sais rien, j'attends d'en savoir plus. D'accord, donc c'était pour avoir ton avis ou quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas les infos, je sais pas qu'il est là, enfin, j'ai pas les infos qu'il a dit à. Oui, toi, tu vois, je te demande, ouais, tu vois juste un jeune qui sort de souffler de ses côtes et qui a été emmené par vos copains. Tes copains, enfin tes copains. Ouais, et puis c'est pas sans raison qu'il a été. voilà. Binsem a expliqué. Ok. Bon, son petit jeu de volonté. C'est légitime qu'il fallait le choper, quoi. Va-t-il faire dans son froc? Plus ou moins, hein, j'ai qu'une réussite. Et le toujours en le fixant, tu sais, sans cligner des yeux, je dis, bah, monsieur s'est fait engager par un type entre deux cours qui lui a promis 200 dollars, un type dont il n'a même pas vu le visage, hein, un type qui est planqué derrière une capuche. Il lui a filé 200 dollars pour se pointer ici, pour se présenter avec un faux nom et pour surveiller un gars. Avec un bouc, le brun frisé. Mmh. Et ce con-là, il sait pas pourquoi, il sait pas qui, mais il le fait pour 200 dollars. C'est normal, la vie est chère de nos jours. Oui. Ça se conçoit. 200 dollars. Ça se conçoit, c'est pas rien, 200 dollars. Il voit la ruelle autour, il fait ne fait pas de mal, s'il vous plaît. D'apparence, il fait quel âge? Il fait 20 ans, enfin, étudiant, vraiment. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que. Tu vas lui dire à cette personne-là, elle te les a déjà donné les 200 dollars ou c'est en échange d'informations? Non, elle m'a déjà donné. Bah, je les ai là, dans ma poche là. Non, mais on le croit. Il sort en tant que tu lui dis ça. Il montre les billets un peu froissés qu'il a dû mettre comme ça dans sa poche. Est-ce que les billets, ils ont une odeur particulière ou je sais pas ou... T'as pas au specs, non. Ou quelque chose comme ça. Non, toi, tu sens rien de spécial. Non. Ah ouais, tu l'as, mais pas. Ouais, pas t'as pas l'essence, t'as pas voilà, l'essence accrue. Ouais. Ok. Il fait quoi avec ces billets là? Ils sont chiffonnés. Ouais, ça fait comme si il les avait pris. Ils sont un peu chiffonnés, mis dans sa poche comme ça. Ouais, mais ça a l'air d'être des billets neufs que quelqu'un a retiré il y a pas longtemps ou c'est des vieux billets de. Sans être trop vieux, mais de la monnaie qui tourne quoi. Ouais, ils sont pas neufs quoi. Mais... C'est deux billets de 100. Ok. Ah, deux billets de 100 dollars quand même. Ouais. Il est pas en train de nous les tendre, ces billets. Non, il les a sortis comme ça de sa poche, il les a montrés. Il est au-dessus de sa poche, comme ça, avec sa main. L'autre main, elle est sur sa côte. Non, je lui redonne. Et je dis, mais il avait. T'as rien vu à quoi il ressemblait Fais un effort. Il avait une voix comment? Regarde, il se met un peu de côté comme ça, plus vers l'INSEE. Une voix un peu cassée, un peu rauque. Enfin, pas rauque, mais un peu cassée, oui. Une voix cassée. Et il est habillé tout noir, il baissait la tête, et je l'ai croisé dans le couloir, il y avait du monde. Et ça a duré, j'en sais rien, 2 minutes, enfin, même pas, non, enfin, plus court que ça. Il était quelle heure? À quel moment de la journée, ouais? J'avais un cours à 17. Bah à la fin, oui, vers 6h. C'était quand? Aujourd'hui. Ses mains, tu les as vues? Je sais pas, enfin... Pourquoi? C'est important, enfin... Ses mains, tu les as vues? Pas vraiment, enfin... Fais un effort, rappelle-toi. Calme-toi. Quand il t'a tendu le billet, les billets... T'as vu, ouais. Il avait l'air d'avoir des mains jeunes, vieilles, propres, sales. Il avait des gants. Ouais. Il avait des gants de Morgane qui est à côté. Oh, bah... oui, ça y est, il y a un truc, oui, très blanche. Même ses ongles, très blancs et
Ça m'a paru bizarre parce qu'il avait les ongles vachement longs quand même. Ok. Enfin, bon. Vous me direz, on peut dire toutes sortes de choses, mais là j'ai trouvé ça bizarre. Et donc il t'a demandé de te pointer au Marjorie Café en disant que tu t'appelais Maurice Stewart pour aller observer le mec brun avec son bouc et ses cheveux frisés, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est, okay. C'est tout ce que je devais faire, je sais pas beaucoup. Et ensuite, tu dois le retrouver où? Ben, je sais pas. T'es con ou t'es con? Il m'a donné ça, il m'a dit... comme je vous dis, je suis ce mec-là, c'est tout. Mais après, tu dois, si te demande de le suivre, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il a besoin d'informations. Tu dois le retrouver quelque part, il doit t'appeler. Ben non, mais peut-être qu'il va revenir, enfin j'en sais rien. Enfin peut-être, il voit toi, comment tu le regardes, Joe. Okay. Je sais pas plus, je me fais pas plus. Tu sais ce qu'on va faire. Voilà. Tu vas lui dire que tu as pu rentrer, que t'as pas pu rester longtemps, parce que tu t'es fait virer par le videur. Pas par lui, hein, mais par le grand baraqué là, à l'entrée qui t'a ouvert. Ouais. Que tu as vu le monsieur en question boire à une table avec une fille, une blonde. Pas avec vous, du coup? Non, pas avec nous, du coup. D'accord. Mais t'embrouilles pas, hein. Il répète ce que tu viens de dire. Donc là, je suis voilà. Qu'il était avec une nana. D'accord. C'est bon. Ouais. Qu'il avait l'air super en forme, qu'il rigolait, que tout allait bien, qu'il passait une bonne soirée. Et comme tu le regardais avec insistance, bah, c'est là que le videur, là, le gros baraqué, t'a demandé ce que tu faisais là, que si tu consommais rien, tu devais fiche le camp. Et il t'a mis dehors, ok? Oui, d'accord, ok. Donc tu lui diras ça demain ou je sais pas quand il te recontactera, ok? J'aurais su, j'aurais pas accepté, je veux pas d'histoire, moi. Bah, c'est trop tard. Oh, putain, je suis débile et il se met un coup comme ça sur la tête. Putain, non, je suis merde. Bordel. Et si ton commanditaire te croit pas et pense que tu. Et c'est tu quoi, finis c'est par. C'est un commanditaire. C'est lui qui t'a demandé. Ah, ouais, t'a donné de l'argent en échange d'informations. Excusez-moi, mais c'est parce que j'ai fait peur là, je suis stressé. Pas de problème, pas de problème, t'inquiète pas. Ah, mais j'ai mal encore. Ah, faut pas que je bouge comme ça, je reste penché. Si jamais ton commanditaire, maintenant que t'as pris un nouveau mot, tu vas t'endormir moins qu'on soir. Ah, ouais. Si jamais tu finis par lui balancer exactement tout ce qui s'est réellement passé, que tu t'es fait avoir comme. Tu t'es fait gauler comme une merde, hein, faut dire ce qui est. Ouais. Et qu'il pose des questions sur nous, que tu nous décris à ton commanditaire, tu peux rajouter que je l'emmerde. Et que s'il a un problème, il vient le dire en face. Plutôt que d'envoyer des larbins comme toi. Mais je dis qui vous êtes, enfin... Non, mais l'embrouille pas, écoute, déjà c'est pas simple pour lui. Non, on s'en tient à la version que je t'ai donnée tout à l'heure. Ouais, tu lui dis ça. Mais je dis voilà. Pas que vous emmerdez, du coup. Non. Mais tu vois, il avait tout compris, tu l'as tout embrouillé. Parce le que vous pauvre. Croyez sérieusement qu'il a tout compris là? Mais bien sûr sans qu'il déconner. A tout compris, oui, mais arrête, oui. C'est toi qui m'énerve. Il a tout. Ce truc de. Il cligne des yeux vachement vite comme ça, puis il regarde, il est pas. Bon, serein, tu es rentré dans le café, ouais. Tu as vu le gars avec une blonde, ouais, le mec il allait bien, il s'éclatait, etc. Tu ouais. T'es fait foutre dehors par le videur, ouais. Et. Point. C'est bon? Mais je viens jamais d'habitude dans un endroit comme ça en plus. Donc Non mais on s'en fout ça, vas-y, allez, on a autre chose à faire. Donc. Tu t'attends quoi là? Tu vas nous raconter ta vie? Tu veux qu'on pleure sur tes malheurs? Arrête, et tout ça? On s'en fout, allez, vas-y, on s'en fout, vas-y. D'accord. Allez. Il va vers toi, Lindsay, ah, juste, même, il te touche en fait ton bras, il est contre toi presque, à côté de Joss qui le regarde. Pardon, Monsieur, vous dites-lui que... Enfin, il te dit à toi, Morgan. Je veux juste partir, vous avez l'air de... Oui. Dis-nous juste, c'est où ton bahut? Bah, c'est à côté, là, c'est le... L'université d'État, là. Et t'es dans quelle section? Je fais paléontologie. Ah, oh, c'est intéressant, ça. Ah. Ouais, dinosaures, tout ça. Enfin, on me dit que je suis un gamin, mais je vais plus loin, c'est plus vraiment d'où ils viennent. Enfin, voilà. Ouais, bah vas-y, très intéressant. Allez, au revoir. Et ton prénom, c'est ton vrai nom? Lucas.
Mais oui, non, mais Lucas, hey. Comment? T'as ta pièce d'identité là? Non. T'as pas ta pièce d'identité? Si je fouille moi-même dans tes poches, non, je vais pas la trouver. J'analyse sa réponse non là. Est-ce qu'elle est. Ouais, si, là, des papiers sur lui. Hein? Tu le vois, oui, qui fait un non. D'accord. Non. Tu les as. Sors ta pièce tout de suite. Il va dans sa on va prendre du retard là, on a des choses à faire. Ouais. Il sort un petit portefeuille en cuir et qui tend. Bon, alors, il s'appelle comment? Je prends le portefeuille. Brave garçon. Attends, je prends le portefeuille. Vous restez là 2 minutes, je reviens. Je vais à ma bagnole, je vais choper mon portable. Je prends une photo de sa pièce d'identité. Il a carte étudiante, il a sa carte étudiante. Bon, tout, carte d'identité, permis de conduire, carte d'étudiante, tous les trucs, tout ce que je faisais, tout ce qui pouvait m'être utile quand j'étais encore, quand j'étais chasseur de primes avant, tout ce qui peut m'être utile, je prends tout en photo, et ensuite je remets tout, je ne prends rien, je ne pique pas le pognon, je sais pas s'il y a une photo de sa copine à poil dans son portefeuille ou quoi, je ne prends pas, je m'en fous. Mmh. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens, je lui rends son portefeuille sans rien dire de plus. Il y avait ça, oui, il y avait, comme je dis, carte d'étudiant, permis de conduire, et il a une carte, pour le musée de, je ne sais plus comment il s'appelle le musée, mais de paléontologie de la ville, il a un peu des carte de bibliothèque, voilà, universitaire. Ça, ouais. Allez. Et il s'appelle Lucas comment alors? Tenson, T-E-N-S-O-N. Donc je m'adresse à lui. Bon, je lui dis, écoute-moi, jeune homme. Je sais pas plus. Mais non, mais t'as rien à craindre de notre part. Il y aura pas de, soucis. Il m'a écrasé une côte, votre collègue. Oui, va peut-être consulter d'ailleurs par rapport à ça, on sait jamais. Je dis quoi? Je dis quoi, quoi, médecin? T'as fait une mauvaise chute. Oui. Sur les côtes? D'accord. Peu importe, ou quelqu'un t'est tombé dessus. Enfin, il ira pas chercher plus loin, il s'en fout, lui. Ouais, il y a les connards qui me cherchent les merdes à chaque fois. Toujours est-il que. Le matin, là, de toute façon, ouais, je peux. Tu fais des études en paléontologie, on est d'accord? Oui. C'est intéressant, ça. T'as envie d'aller loin là-dedans. Ouais, bah oui, oui. Évite d'accepter les personnes qui vont te tendre de l'argent pour... J'ai 200 dollars, monsieur, comme je le disais. Je comprends bien, mais la preuve en est, c'est que tu te mets dans des affaires louches. Des trucs comme ça, c'est jamais anodin, tu le sais bien. Je vais pas chercher à comprendre. Hein. Regarde là, tes résultats. T'as 200 dollars, t'as peut-être une cote de pété. Tes 200 dollars, ils vont aller où? Ah bah oui, tu les gardes. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis un voleur? Tu crois que j'en veux de ton pognon? Tu vas les garder. Tes 200 dollars, ça va te servir à payer tes soins médicaux. Bon, allez, on a autre chose à retour faire. À la case départ. Je voulais m'acheter un autre truc, mais... Allez, oui, bon, bah allez, fais ce que tu veux de ton argent. Vas-y, file. Va te allez. Faire soigner. Et n'oublie pas, je sais où t'habites. Non, mais... Mais laissez-moi tranquille maintenant, j'ai dit tout ce que je savais. Ah, t'inquiète pas, mais retiens, prends ça comme une leçon et ne t'avise plus d'accepter de l'argent comme ça pour des services à la J'ai refusé une soirée, en plus, enfin une soirée, enfin. Ouais. Un truc avec des potes où on regarde des vieux films. Enfin, bon, allez, bonne soirée. Allez. Ok. Et va voir un médecin, on sait jamais. Au cas où. Et il tente de se mettre à courir en fait. Et, bon, il se casse la gueule une fois contre une poubelle plus loin et il repart. Et il gueule parce qu'il s'est fait mal, évidemment. Puis il repart dans la ruelle, vous le voyez plus, il passe à côté d'une maison. Il faut qu'on aille prévenir Nils. Ouais, peut-être bien, ça va être mieux. Bah non, on ira le prévenir une fois qu'on aura vu le baron. Et qu'on aura passé son message. Ça va nous prendre non, 2 minutes. C'est bon, là. C'est qui, là, le nom qui nous a, le faux nom qu'il a balancé? T'as eu l'air de tiquer quand il a dit ce nom-là. Bah, c'est quelqu'un de la Camarilla. D'accord, donc. Oui, bah, c'est pas la peine d'aller faire stresser Nice alors qu'on n'a même pas. Est-ce quoi que ce imaginons, soit. Imaginons que c'est pas le seul et qu'il y en a. Moi, c'est le genre de truc, je le ferais ça. T'envoies un blaireau et il y a quelqu'un d'autre qui est de plus efficace qui surveille aussi. Ah, oh, si tu veux, vas-y, mais alors dépêche-toi. Et je rentre dans le bar, j'essaie de retrouver Nils. Bah, c'est simple, il chante sur la scène. Putain. Je m'approche, je lui fais signe et je lui fais signe de venir et dépêche quoi. Et quand les gens ils te voient, ils font oh, qu'est-ce que tu fais? Et ça râle parce qu'il est. Il gère plutôt, par contre, je le souligne, il chante vachement bien. Et il te regarde. S'il y a quelqu'un qui gueule, je me retourne, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Et je me retourne vers Nils et je lui fais signe. Voilà, vraiment. On te voit, et encore une fois, j'insiste, hein, mais on voit le cuir que tu as sur le dos et les gens finissent vite, abandonnent vite. Quand tu pendant ce temps-là, je pense qu'avec Morgane, on est resté à l'extérieur du... Okay. du bar, sauf si Morgane voulait accompagner Josh. Non, tant que quelqu'un va prévenir Nils, moi. Ouais. Bah, son visage a changé, hein, Nils, dès qu'il t'a vu. Comme si, qu'est-ce que tu fous là, t'sais. Mais toi, quand on continue en train de chanter, il te regarde. Il finit. Et du coup, moi, je réfléchis voilà, par rapport à ce qu'il nous a dit. Et, j'essaye de me souvenir par rapport au nom de Maurice Stewart, si je me rappelle pas d'autres choses. Ou... T'as fait 4 réussites tout à l'heure ? 3 ou 4, je sais plus. Ouais, ou si dans mon petit carnet, j'ai noté des trucs par rapport à quand est-ce qu'on l'aurait vu ou quoi, ou qui m'en aurait parlé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ta sire l'a évoqué lors d'une tente. Elle a fait un sort de rituel de... comment dire ça ? Pour essayer de le localiser, entre guillemets, t'as pas très bien compris. D'accord. Qui a échoué. Selon son attitude et ce que t'as vu. D'accord. Mais non, pas plus en fait. T'as pas plus parlé de ça. Mais... Ok, et du coup, ça avait l'air, elle avait l'air de localiser pour quelque chose de positif ou parce qu'elle en avait peur ou simplement parce que c'était à faire. On lui a demandé, ouais. Après, tu sais pas qui, mais on lui a demandé. Quelqu'un lui a demandé. C'est pas de son propre chef, okay. On lui a demandé. Après, ça arrive que des gens viennent demander ses services pour X raisons, quoi, tu vois. Que ce soit des ghouls ou directement des kindred. Oh, ouais. Enfin, des descendants. Ça arrive. Ok. Hein. Bah, du coup, je partage cette information avec Morgane. Mm-hmm. Et c'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a quelques semaines, quand même. D'accord. Merci. Comme je disais, Josh, hein, il s'arrête de chanter. Il remercie les gens quand même. Hein, voilà. Il a l'air, comment dire, stone, dans un état second. Il titube un peu, il te regarde. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Viens 2 secondes et faut que je te raconte un truc. On va se mettre dans un coin un peu à l'écart. Ça vaut mieux. Et il tape dans une chaise où il y a quelqu'un, il fait. C'est quelqu'un de ma coterie. Il fait un petit signe, genre il est fier comme ça, tu vois. Et la personne ne relève pas plus, tu vois, il passe à côté des gens. Et il veut me parler, parce qu'on fait des trucs importants. Et il passe. Ok, et je sais pas s'il y a. Peut-être à la table où on était tout à l'heure. Ouais. Et. Il y a toujours le petit panneau privilège dessus. Voilà. On s'assoit et je lui parle relativement proche et voilà, je lui dis écoute, il y a tout à l'heure quand je me suis barré, c'est parce que j'ai vu il y a un type qui est rentré, il a jeté un œil dans toute la pièce, son regard s'est posé sur toi, il s'est tout de suite barré, je l'ai chopé, un truc de dingue, j'ai jamais entendu une connerie pareille. Le type, un étudiant, il a été engagé par un gars dont il n'a même pas vu le visage, il a juste vu qu'il avait des mains blanches et des ongles un peu trop longs. Et le type lui a filé $200 pour venir, pour se présenter, pour pouvoir rentrer ici avec le nom d'un gars de la Camarilla, Maurice Stewart. Et apparemment, il était là, il était censé venir te surveiller, toi, précisément. Donc, je ne sais pas ce que c'est, on lui a foutu les jetons... Il avait pas l'air d'en savoir plus. Je pense que je retournerai lui rendre une petite visite pour voir si son commanditaire le sera parvenu lui poser quelques questions. Mais voilà, c'est. Je voulais que tu le saches. Il y a quelqu'un qui utilise un nom de la Camarilla pour rentrer ici pour te surveiller toi. Il a pas eu de réaction sur son visage, malgré que tu vois qu'il se concentre pour bien t'écouter. Et il reprend un peu de contenance, enfin en tout cas il essaye et il te fait un... Bien. Une bonne initiative, ce serait... Je le note et ça vous servira en votre faveur. Si je dois vous défendre, mettre ça en avant. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne c'est chose bon. Que tu as su... Oui, je vais m'occuper, oui, je vais... J'enverrai une de mes goules demain chez des étudiants, là, en cours, tout ça, enfin, bref.
Bah, on voit, observer les lieux pour vous rapporter s'il se passe des choses un peu étranges. Apparemment, le commanditaire s'est pointé juste à la tombée de la nuit. Donc un des nôtres, peut-être. Bah, c'est très certainement, mais... Ouais, si t'as quelqu'un envoyé là-bas pour jeter un œil, je pense que... J'ai ce qu'il faut sur place. Ouais. Moi, je pense que demain soir, j'irai rendre une petite visite à l'étudiant. Voir un petit peu ce qu'il en est. Et ça s'est passé comment, pour le coup? Vous lui avez fait peur, ouais, il a compris tout de suite, il a été... il a pas trop... Ouais, bon... On a discuté un petit peu. Chacun à notre manière. Et puis voilà. Bon, si t'as tout... C'est bon, t'as besoin de rien d'autre parce que le... Non, là, c'est déjà été un effort de bien assimiler ce que tu me racontes. Je t'avoue que, comme je dis, je profite de ma sociabilité apparente, encore assez humaine, pour faire des petites affaires. Mais sauf que je suis obligé de me mettre dans l'ambiance, si je peux dire. Bon. Écoute, gère ton truc comme tu veux. Il faut qu'on aille voir Dicklan pour vu qu'il voulait nous voir. Je te laisse à tes trucs, je rejoins les autres et on y va. Attends, par contre, t'es venu avec ton téléphone là? Non. Je suis sorti, j'ai chopé le mec, je l'ai un peu bousculé, on a posé des questions, je suis venu te prévenir tout de suite. Donc voilà. Allez. J'y vais parce que là, si tu connais Dicklan, si il peut, perdre patience et ça va gueuler. Ouais, allez-y. Ok. Et je m'en vais, je sors de la pièce. J'ai pas reposé ton téléphone. J'ai une main dans ma poche parce que j'ai mon téléphone portable dans la poche. Ouais. Hein. Voilà. Il y a de la musique, tu dis, mais très très basse par contre. C'est pour ça. Moi, j'ai laissé la même du jazzy du club depuis tout à l'heure. Et je re. Ouais. Vas-y, Eric. Non, et puis je l'ai rejoint à l'extérieur. Je pense qu'on va se retrouver près de mon pick-up. Mm-hmm. Donc je te dis que Massir, il y a quelques semaines, elle a dû faire des recherches et essayer de le localiser lors d'un rituel. De sorcellerie pour quelqu'un qui avait demandé à retrouver Maurice Stewart. Quelqu'un qui a demandé à le retrouver, ok. À le localiser. L'un de vous deux a le téléphone de... Enfin, un moyen de contacter Sherman. Je sais plus qui a dit qu'il était plutôt cool avec lui, je crois que c'est Lindsay ou c'est Morgan. Je rappelle, Sherman, hein, c'est le jeune Ventrue qui est avec plutôt qui vous renseigne, qui est de la Camaria. Mais qui nous rencarde sur certains trucs. C'est ça. On avait établi ça lors de la création, mais je sais pas qui est plutôt pote entre guillemets avec lui parmi vous. Josh, je pense pas. Mais... Non, je crois que c'est Céline. Je crois que c'est moi. Ouais. Ah bah, donc c'est toi qui aurais le numéro pour le coup. Ouais. Tu veux pas essayer de le joindre, ne serait-ce que de savoir un peu d'en savoir un peu plus qui est ce Maurice Stewart. Oui, le portable est au domaine, donc je ferai ça tout à l'heure. Patience et longueur de temps, plus que force et courage. Alors, on peut y aller. Allez, on y va. Ouais, c'est passé pratiquement une heure, toutes ces escapades, interrogations et tout ça. Morgan, tu prends ta caisse, tu nous suis ou on y va qu'il y a une seule voiture? Comme vous voulez, faut juste que je récupère au minimum mon téléphone. Et bah vas-y, on t'attend. Ça marche, j'arrive. J'ai juste une question pratique. Qui est armé ou proche d'être armé au niveau de la voiture ou quoi? Donc, c'est une question que je vais me poser sur le coup. J'aurais peut-être dû vous demander au début. Qui a des armes sur lui ou un couteau même ou un truc comme ça? Toi, t'as ouais, forcément Josh, à mon avis. Ouais. Moi, j'ai un livre. Que c'est une arme contre les incultes. Exactement. Contre la connerie humaine. Pour le moment, je vais considérer que j'en ai pas. Ouais, non. Bah, j'imagine après que Joss limite tout le temps un pistolet sur lui, quoi, ou un revolver. Ah bah, moi j'ai toujours un. Bah, j'ai une toujours arme un blanche. J'ai toujours sûr. Un 9 mm sur moi. J'ai sûr que t'as un couteau. J'ai un couteau et j'ai un calibre 30. Bah, le fusil à pompe, non, j'ai pas non, pris. Non, mais un. Ah, un point américain. Ouais. Ouais, certainement. Ouais, ça voilà. Gauche, voilà. Et aussi, j'ai un calibre 38 qui est planqué dans la boîte à gants. Il y a un petit.
il y a un petit truc, un petit compartiment, le flingue est caché dedans. Par contre, comme j'étais chasseur de primes et que officiellement je ne suis pas déclaré, je ne suis pas mort, pour mon boulot et tout ça, des permis de port d'armes, tout est en règle. D'accord. J'ai tous des permis de port d'armes pour tous mes flingues. D'accord. À la maison, j'ai un fusil à pompe. De toute façon, aux États-Unis, à partir du moment où tu as 16 ans, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai pas d'armes automatiques qualifiées armes de guerre, des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça, j'en ai pas. J'ai vraiment que des trucs complètement, des armes totalement légales. Et j'ai les permis de possession et de port d'armes qui vont avec. Ok. À limite, moi j'en ai peut-être un, mais dans ma table de chevet, dans ma chambre, quoi. Je me balade pas avec. Normal. D'accord. Toi, t'as toujours un livre ? Voilà. Voilà, ok. Donc, bon, écoute, on récupère Morgan et puis. Donc, tout et puis on file. Dans le pick-up, c'est ça ? Du coup ? Ouais. Ouais, tant qu'à faire. Petit auteur, ta blague, je la lirai à personne. Bon, je la lis quand même. Un fusil à pompe, ça lance des sandales ou des bottes ? Voilà, c'est une histoire. Tuez-le si vous voulez. Moi, j'aime bien. Bon, t'as une fan, ça va. Ok, vous parlez tous en piquet. Et donc, vous allez, hein, je reping, on sait tous, hein, vous étiez ici. Donc, vous allez au milieu du bayou. Voilà. Ouais. Alors, comme je fais tout le temps, soit en ellipse, soit vous avez quelque chose à vous raconter sur le chemin, je vous laisse vous replay ça, comme vous le sentez. Soit en ellipse, le petit chemin, le petit voyage. Ouais, bah moi je vais... Non, pas trop. Le seul truc que je vais faire, c'est peut-être un moment... Enfin, je discute pas trop. En fait, je suis un peu dans mes pensées de me dire... Alors, j'ai un peu zappé là ce qui vient de se passer avec le mec qui surveillait Nils. Mais je me pose des questions sur qu'est-ce qu'on va nous demander de faire, parce que d'habitude c'est des trucs d'escorte ou de conduire un truc, un véhicule, c'est souvent des trucs qu'on demande au prospect. Donc je comprends pas pourquoi là, voilà, pourquoi on nous demande à nous de faire à la ça, poterie. Alors que d'habitude c'est plutôt le genre de merde que moi je vais faire ou l'autre prospect. Tu le dis à tout le monde, pas à tous les deux, aux autres, ça. Bah, je pense que je dis rien du tout. D'accord. Alors, à moins que quelqu'un, à un moment donné, le... Moi, je voulais parler, mais pas par rapport à ça. Ouais, alors après, voilà, c'est... Enfin, je suis pas très... je suis pas le plus fin pour cacher le... Donc, ouais, t'as l'air en réflexion. Je suis préoccupé, et ça se voit. Ouais, c'est qui roule ? C'est toi, j'imagine ? Ah oui, alors là, c'est personne ne conduira mon véhicule tant que je suis en état de le faire. Tu dois être, j'imagine, Josh, en train de conduire avec une main sur le volant, l'autre sur le mandron, comme ça, je crois, peut-être jouer avec sa barbe et puis réfléchir. Hein. Ouais, exactement. Je te laisse, Morgan, tu voulais parler de toi. Ouais, du coup, je vais dire, disons que Josh... Un peu musclé quand même ton intervention sur le jeune homme là. Enfin, je peux comprendre que il fallait l'arrêter, mais après bon, t'as bien vu qu'il était effrayé, le pauvre. Enfin, y a d'autres méthodes parfois pour obtenir ce qu'on veut des gens. Parce que tu crois que si je lui avais demandé gentiment, il serait arrêté ? Non, je parle après. Au départ, bien sûr, lui faire comprendre que voilà, que à qui il a affaire, mais ensuite. Desserrer un peu la vis, forcément. Parfois, ça peut les braquer plus qu'autre chose. Tu peux acheter CDD, s'il te plaît. Ouais, mais... Oui, je sais. Enfin. Je sais pas. C'est le... L'adrénaline et tout, enfin, je comprends. Ouais, c'est ça. Ah, puis je pense, Morgan, que nous avons tous compris que certaines personnes avaient besoin de libérer des pulsions violentes. Les occasions sont bonnes, Josh, pour décharger cette tension interne. On va vraiment commencer une discussion là-dessus. Ah, mais non, je ne commence aucune discussion. J'éclaire juste Morgan et son incompréhension de votre comportement très primal. C'est vrai que dans cette voiture, je suis seul à être dans cet état. Mais ce n'est pas une critique, simplement une analyse. T'avais pas un bouquin à lire, là ?
encore une fois l'évitement. J'ai pas trop... Il y a des soirs, ça me dérange pas. On pourrait se lancer là-dedans et on pourrait s'engueuler, tout ça. Il n'y a pas de problème. Là, ce soir, j'ai pas trop envie. Je sais pas où on va foutre les pieds. Je sais pas pourquoi ils nous demandent à nous de faire un truc. Bah, certainement parce que ça demande de la finesse. Pourquoi ils font appel à nous et pas que à toi? Ça doit être une mission de discrétion. Non, j'en sais rien ce qu'ils vont nous demander, mais d'habitude, pour ce genre de boulot, ils demandent au larbin. Ils demandent pas... Ils demanderaient pas... On verra bien une fois sur place, de toute manière. Ça sert à rien de verser là-dessus. Ouais, c'est vrai, il a raison. On n'en saura pas plus. Je pense que oui, j'ai essayé de dire discrètement, mais c'est compliqué. Lynn, tu peux me faire 6D10, s'il te plaît? Alors qu'il y a une petite ambiance sympatoche dans la voiture. 5 réussites. Tu es en feu? Eh oui. Eh bien, le... Non, rien, je vais rien dire. Tu as justement évité quelque chose qui aurait pu tomber si tu faisais moi. Très bien. Donc, je vais rien dire. Par contre, Morgane, ton téléphone sonne. Hein? Mon téléphone sonne? Ouais. Ton portable, il sonne. Ton portable. C'est pas toi, du coup. Josh, ton portable, il sonne. Pardon. Ah, pardon. Mais si, tu l'as, ton portable, Morgan. Mais si, c'est toi. Mais si, je suis bête. Tu l'as récupéré. Oui, j'ai été récupéré. Blablabla. Tous les deux, longs, il n'y a que moi qui ne l'ai pas. C'est ça. Je n'ai rien dit. Tu es obligé. Morgan, ton téléphone, il sonne. D'accord. Donc, on va dire que c'est un téléphone à clapette, c'est... Si vous êtes pas pour tous, ça... Donc, je l'ouvre et je regarde... Alors, c'est ta cire. Est-ce que t'as attribué une souris spéciale à ta cire? Pas du tout. Non... Pardon. Eh ben si tu vois son... Ouais, c'est les fameux clapets, tu décroches, ça décroche pas. Enfin, tu loues, ça décroche pas forcément, donc t'attends de voir le nom, ouais. Ouais, bah du coup, je décroche. Tu décroches, ça fait direct. Hey, le vieux! Ah, ouais. Pourquoi votre Mola, il m'appelle? Et il me dit que... Il y a besoin de sécurité au Marjorie Café. Vous êtes à Fukutu, quoi? Il t'a appelé? Comment ça, tout de suite? Il m'a dit qu'il a besoin de sécurité autour du Marjorie Café. Il y a des gens qui traînent, je sais pas quoi. Il m'a pas dit plus. Hein. On a, oui, il y a un individu qui est rentré, qui s'est fait passer pour quelqu'un. Il n'était pas. Il vous a pas regardé derrière vous en entrant, vous avez pas fait gaffe à ce que vous faites quand vous rentrez? Bien sûr que si, mais ça faisait un moment qu'on était dedans. Mais ça. Entre temps, il peut s'en passer des choses. Il y en a d'autres qui peuvent arriver. Hein? C'est pas la question, il faut faire plus attention. Moi j'ai autre chose à faire, que ce guignol il m'appelle pour me dire qu'il faut que j'envoie quelqu'un pour traîner autour du... On n'est pas non plus omniscient. Son repère, là... Ouais bah tu lui diras, moi j'ai pas que ça à foutre. D'accord, donc tu vas pas répondre à sa demande. Ça me regarde, mais tu lui diras que j'ai pas que ça à foutre. Bah tu pourras lui dire du coup si tu t'y rends. J'ai pas dit que j'y allais. Transmets le message, oui. Ça suffira. Arrête tes conneries aussi. Je t'aime bien, mais ça peut vite changer. Quelle connerie. Les conneries de tirer l'attention. Moi, j'ai pas trop envie de traîner dans ce quartier, en plus. Je suis bien où je suis. Tu sais, je suis pas responsable de tout, forcément. Faut pas... Ah, je dis pas ça. Je sais très bien que le chat gouttière, il doit être dur à tenir. Mais fais en sorte. Tu représentes quand même la baronnie qui a plus de pouvoir. Donc, montre ça aussi dans ta coterie. Oui, bah, je l'ai pas forcément demandé, ça. Non, mais moi non plus, hein, mais tu crois que j'ai choisi de mon côté? Mais en fait, quoi, c'est pas la question, c'est pas pourquoi je t'appelle. Tu diras à l'autre guignol que moi j'ai autre chose à foutre. Il a qu'à envoyer un de ses étudiants, tiens, faire les rondes autour de son refuge. Ça marche. Allez, bisous quand même, le vieux. Je sais que je t'aime bien pendant le fond. Hein. Ouais, bonne nuit, Catalina. Et passe me voir, un moment. Ça marche. Et ça raccroche. Donc, Lynn, tu as le specs, c'est ça que tu avais dit? Sentir l'invisible. Alors, de façon passive, en dehors de ce pouvoir-là. T'as peut-être entendu, tu sais, des fois, quand quelqu'un est au téléphone, on entend un peu de l'autre côté de la ligne. Oui. T'as peut-être entendu que c'était un peu houleux, quoi. Et ça a gueulé un petit ça peu. Ça marche. Et Morgan raccroche, pour le coup. Ok.
Moi, je dis rien. C'est son coup de fil. Franchement, au pur, en raccrochant, je dis juste, bon, c'était ma cire. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Comment? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Bah, Nils l'a appelé apparemment pour que, bah, vous savez, enfin, vous savez, elle s'occupe de la sécurité entre autres. Et il l'a appelé pour justement renforcer la sécurité autour du Marjorie Café. Et ça lui a pas plu. Elle a autre chose à faire d'après elle. Voilà, voilà. Ah, j'adore cette solidarité entre descendants. C'est beau. Au-delà de ça, c'est juste que son boulot, c'est de protéger. Quelqu'un lui demande de l'aide pour protéger, pour sécuriser. Et elle le fait pas. Et ça la fait chier. C'est juste qu'à mon avis, elle prend ça à la légère. Elle pense pas que c'est quelque chose de sérieux et que voilà. Je pense qu'elle a mieux à faire. Bon. Ouais. Ouais, on a tous mieux à faire. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, si personne ne veille les uns sur les autres et que chacun se démerde, on fait pas long feu, hein. Non, mais à mon avis, ça la dérange pas de rendre service, mais ça connaît un peu. Service, quand elle sait qu'il y aura peut-être un peu d'action, là, elle se dit que ça sera peu inutile, quoi, de son point de vue. Bref. Ouais. Ouais. Bon, Bon, vous êtes presque, on est plus qu'à 2-3 km là, on arrive. Ah ouais. Je prends mon téléphone, je m'arrête juste sur le bord de la route et j'envoie un SMS. Parce que oui, comme voilà, j'ai un téléphone portable, mais j'ai le. Alors par contre. Ah oui, tout à l'heure je disais que j'avais pris des photos des pièces d'identité, mais comme comme on utilise des vieux modèles de téléphone pour éviter... Certains portables à clapet faisaient des photos. Pas ouf, mais ils faisaient des photos. Ouais, c'est ça. C'était pas foufou, donc c'est pas grave. Parce que comme on n'a plus d'activité électrique dans le corps, on peut pas utiliser les smartphones. Puis c'est trop surveillé. Donc ouais, vieux téléphone à la con. Et j'envoie juste un SMS bah, justement à Diclan en disant on est là dans 5 minutes. Voilà, juste pour prévenir que on est en route, qu'on a bien eu le message et qu'on arrive. T'as pas forcément de réponse à ton SMS. Ouais, de toute façon, j'en attendais pas spécialement. N'attendais pas spécialement de toute façon. Et puis bon, on reprend la route. Direction le QG.